Bonsoir, mes sénateurs et sénatrices, ceux qui me sont le plus fidèles, ceux qui sont connectés chez moi. Bonsoir, monsieur Bertrand. Voilà, mes abonnés les plus fidèles, ceux qui sont toujours chez moi, même quand les directs sont, même quand il y a les directs ailleurs, ils sont chez moi. Je vous salue. Ceux qui fuient mon direct, ceux qui fuient mon direct, quand il y a d'autres directs, je ne vous salue pas. Salut aussi au saumon et au saumon. J'allais dire salut mes donateurs, mais ça fait longtemps. Je n'ai plus de donateurs. Je n'ai plus d'étoiles, je n'ai plus rien. Mes abonnés sont radins. Mais commandez le t-shirt DKM. Le t-shirt DKM. Ah ouais, c'est gâté, oh! Bertrand monte à la décrypte. C'est gâté, oh! C'est gâté. C'est gâté, oh! C'est gâté, oh! Mais Flo est très émotive. Flo est très émotive. La différence avec Compression, c'est que Compression prend le temps quand même. Compression, elle est pas émotive. Elle prend le temps. Adama, oh, Thérèse est en train de faire ça. Thérèse est là en train de gâter le coin. On dit on dit pas j'ai intervenu. Ta mère là, là. Je suis intervenu. Est-ce que tu peux te poser la question comment ta mère finit comme elle finit là? Parce que ce que tu as fait, appeler les gens qui disent que la mère de Foucault est insultée sur Facebook. Il y a la côté qui vient de parler là à tout dit. Diamant se fait retrouver sur Facebook être insultée avec sa maman parce qu'elle venait défendre l'honneur de la femme africaine, l'honneur de la femme camerounaise. Et donnez-moi la visibilité, partagez le direct. Hein. C'est comment même? Donc, moi, je suis votre moins cher. Hein. Quand vous êtes dans d'autres directs, vous partagez les directs. Vous êtes dans mes directs, vous ne partagez pas. Je commence à vous bloquer. Je vous bloque. Quand vous allez dans les directs, vous partagez, vous bipez les gens. Donc, moi, je suis votre moins cher. Je bloque. Voilà. Vous allez faire là. Ce que vous faites ailleurs, vous êtes obligé de faire ça ici. Ou c'est Mamine Dokfa, je te bloque. Guigui, là, je te bloque. Tu n'as pas partagé. Je bloque. Quand vous allez dans les directs, des gens, vous partagez. Vous venez ici là jouer avec moi là. J'ai mes abonnés qui sont là, qui partagent, me disent, vous là, ils vous finissent d'abord. Ils vous bloquent. Et vous savez, le décryptage du Sénat, c'est la magie. Hein. Aïe, aïe, qu'est-ce que c'est? Les blogueuses à l'époque pour dire que ta mère est folle. Que ta mère est la photo de ta mère. C'est la première fois qu'on a vu la photo de ta mère. Elle était noire, malheureuse, comme tu sais qu'elle était folle. Tu pouvais devenir folle sur tes. Mais c'est la mère de Nicole que tu amènes. C'est la dépouille d'une maman. Et tu ne veux pas qu'on insulte ta mère. C'est Nicole qui va te faire ça et tu ne peux rien faire comme Nicole. Parce que ton propre fils t'insultait. Mais c'est parce qu'il a arrêté de t'insulter de tout. Choupi-Man la s'entend avec elle, ils n'entendent pas. Tu as une petite. Et c'est sa grande soeur, elle est très grande. Tu as les petits enfants matés. Tu étais dans le direct de Wallos. Wallos a dit que la reine mère bleue n'a pas menti. On n'a pas coupé les pieds, mais on a coupé les doigts d'un grand talent. On a coupé. Quand les gens vont parler comme ça, vous allez dire qu'on insulte cette maman. Alors qu'elle, elle demande la
Laisse ça. Tu n'as plus fait dans la vie, tu ne peux pas te ressaisir. Laisse ça. Faut que tu ne peux pas te ressaisir. Depuis que tu fais du mal aux gens, tu as des familles, des gens. Tu ne vois la faute de ta mère parce que ta mère souffre. On sait qu'elle a fait quoi dans sa jeunesse. Mais dès que tu as pris. Lisette Akoudou, toi la femme là. Tu es là comme ça, une esclave, une femme comme toi. Tu es en train d'acheter les problèmes d'une femme comme toi. Tu es une lécheuse. Lisette Akoudou. Tu es là en train d'acheter les problèmes de compresseur. Pourquoi? Une femme qui a les enfants, le mariage. Tu as laissé le mari à la maison, tu es là. Regarde-moi une femme, une serpillère comme ça là. Toi, Lisette Akoudou. Hein? Donc c'est Flo qui devait encaisser tous les provocations là. Tu es là dans le noir, Lisette Akoudou, Lisette Ekounou. Tu es là, tu ouvres ta sale gueule. Hein? Regarde des vampires, tu vois les femmes comme ça qui n'ont rien fait dans leur vie. Les amis, partagez mon live. Partagez le live. C'est comment? Quels sont ces abonnés frivoles? Quand vous partagez le live de tout le monde. Lisette Akoudou, toi là, une lécheuse comme ça, tu viens, compresseur n'est pas une femme pour venir parler. Tu vas parler à sa place. Personnalité. Femme qui insultait Madame Messan. Quelle personnalité. Lisette Akoudou, ferme ta sale gueule. Quand ta diamant du diable a insulté Madame Messan ainsi pour rien, tu étais où? Quand ta diamant du démon là insulté une femme qui ne lui a rien fait, questionnait la paternité de ses enfants, elle était quoi? Elle était un ange. Sa part que tu sois, Lisette Akoudou. Bad woman que tu sois. Regarde-moi une femme comme ça là. Donc on peut aussi vous toucher comme ça. On peut aussi vous toucher comme ça là. Lisette Ekounou. Lisette sorcière. Lécheuse va. Pourriture. Diamant bleu, diamant bleu. Ce n'est pas diamant qui a détruit cette Nicole Kitcha. Maintenant elle fuit. Hein? Tu as fini de mettre diamant. Regarde des femmes comme ça là. Yamolenga. N'importe quoi. Tu vois un gars comme ça là. C'est les femmes. On attaque comme ça. Tu sors, tu vas ouvrir ta bouche. Hein? Lili, viens en bas. Lili, cela t'a pris. Sors, tu entres encore. Hein? Donc, tenez à vous, maman, il faut venir. Non? La première fois, cela t'a pris. Ça a dit à jour en haut et tout, en vain. Ça, je l'ai en vœu et tout. Donc, il faut sortir, tu entres, tu réessayes plusieurs fois, ça apprend, il faut insister. Voilà, Tania est là, je prends Tania. Et une femme comme ça, on peut être dans le noir, elle est dans toute cette histoire-là. Comme ça, conditionner Nicole Kitcha, que tu vas laver. Et Nicole Kitcha, pour reprendre sa place de général, là, c'est ce qu'il fallait qu'elle fasse. Est-ce que tu vois? On va recommencer. Hein? On va recommencer. On a entendu de les balles par les deux. Les vraies balles qui vont sortir. Les vraies balles. Mais man, ce matin, tu as demandé que je suis battu. Il faut que tu aies pris tes rêves dans ton âge. Si on t'a pas. Allô? Ouais, on t'attend pas, tu sais. J'ai dit, je parle de Tchamalu, non? Tu as vu, elle a changé. Directement, elle commence à insulter les gens. Pourtant, ce matin, elle était chez toi ici. Elle insulte pas les gens, toi aussi. Là, voilà. C'est Tchamalu, là. Mais man, tu sais comment elle insulte ton enfant. Ça m'a trop fait mal quand tu l'as pris le matin. Ah. Franchement, il faut te dire la vérité. Ça m'a trop fait mal. Quand j'ai menti, je n'ai rien dit parce que non. Il s'est crié trop. Je ne voulais pas, moi, crier comme elle. Je ne voulais pas jouer à son jeu. Mais le fait que tu l'aies pris dans ton instant, qu'elle demande les excuses. Non. Elle insulte ton enfant. Ah. Ça m'a... Tu dis quoi? Pas rien.
Mais les gens prennent la honte seuls. Si tu as fini d'insulter quelqu'un, toi-même, tu viens à son direct. Franchement, c'est, ça me dégoûte cette fille-là, franchement. Qu'est-ce que je peux encore dire? Qu'est-ce que je peux encore faire? Quand tu sais que tu as bien insulté quelqu'un, tu ne t'es pas excusé, tu viens à son live, insulter même ses enfants, tu viens, toi-même, tu viens prendre la honte, tu laisses, tu parles. Même la avec ce qu'il a, il pourrait réduire mes comptes. Comment c'est ça? Là-bas, mais franchement, j'ai. Non, même pas que tu veux, quand j'aurais voulu que, après qu'elle ait fini, tu lui poses la question. Tu as mon enfant par rapport à quoi? Plus mettre la honte. Vraiment là. Elle n'a pas honte. Moi, je ne comprends pas. Elle n'a pas voilà, vraiment. Voilà, ça. Et de jure que ça ne me dit rien du tout. Nous, il y a tes mains. Ça ne nous fait plus rien. Tu peux pas se mirer dans un miroir comme toutes les autres femmes. Hein? Et c'est elle qui avait dit placer sa soie de cette caméra. Avec les lunettes noires en pleine journée comme ça dans la maison pour parler de la vie des gens. Tu crois vraiment que tu es celle-là? Hein? Tu crois que tu es celle-là? Ouais, que t'as insisté. Qu'elle ça ne prend pas. Il faut insister, Tania. Il faut insister, ma belle. Sors-tu mon Dieu autant de fois, je vais te prendre. Il faut insister, ma belle. Ou bien sur un autre compte, tu essaies de revenir à un autre compte différent si possible. Hein? Oh, Nicole, il faut que celle qui assise au camion, elle se lève comme les feux du tarot, qui insulte les gens à ton nom tous les jours. Elle connaît s'exprimer en français. Le Cameroun, elle est née. Elle a passé les 45 années de sa vie. Elle a eu quel diplôme? Je suis sûr qu'elle n'a même pas le CEP. Elle n'a même pas le CEP. Hein? Et c'est vous comme ça, là. C'est des histoires comme ça que tu te mets en rang avec elle. Vous venez manquer du respect aux gens qui vous dépassent. Celle-là me connaît. Et que je finis. Et que c'est Nico Kéche, tu es là-bas, tes oncles sont au Cameroun. Tu attends quoi qu'on chope le long de Dala. On met dans le thermos. On parle à Tam de là-bas qu'elle sort de sa maman dans le verse, le chaud là encore. Tu attends quoi de plus? Tu attends quoi de plus? Tes oncles sont là-bas. Au Cameroun, ils ne travaillent pas, ils sont là-bas à la maison. Tu attends quoi pour leur donner quelque chose pour aller finir avec la saleté là. Tu écoutes ça? Elle est en train de planifier l'assassinat de la lionne. Mais c'est enregistré. Tu es en train d'enregistrer tout. Qu'est-ce que je m'en dis? Chope l'eau dans une amie. Il me la droite des mots. Quelles sont ces conneries-là? On a sur une verse sur la tête. Je veux voir comment elle va venir encore le lendemain. Mais que ça commence. Plus de quatrième décret et fait un la résister les champs. Je veux comment ça soit disant saleté qu'elle dit que sa patronne là, sa mamoune là, va ira là-bas les dans la douleur de la blessure de la cinquième douleur, de la cinquième décret de plus qu'elle aura. Tu attends quoi? Tu ne vois pas que mesquine parce qu'elle me connaît. Je l'ai fait courir dans tout droit là, elle me connaît. Et je reconnais poids de bagage, nous. Ma mère, elle est là-bas. Tu attends quoi, Nicole? Elle haine les dépendants ou pas? Hein? Tu le haine les filles des dépendants ou pas? Hein? Avec tous les gars de Kathmandu, les Bangando qui sont versés là-bas à Kathmandu. Donc tu me dis que tu as marié de quelqu'un pour aller traiter son faux corps. Mes cousins sont allés là-bas la filmer. J'ai envoyé mes cousins la filmer là-bas, elle a failli pisser sur elle le jour là. Moi je ne tue pas d'un mauvais rêve. Hein. Elle a eu sa chance de m'a donné et ma mère m'a appuyé par rapport à ça. Je traitais son faux corps. Je traitais son faux corps. Mon cousin est allé là-bas la filmer. Il a envoyé mes deux cousins dans sa bêtise la filmer. C'est Madoka et ma mère. Son mandat d'amener en col là, dans le tiroir de la voiture de ma mère, dans la boîte à gants. C'est là. Son dossier en col là. Et il y a des temps de péremption. Je n'ai pas mal aux oreilles quand tu écoutes la fille là. Hein? Tu n'as pas mal aux oreilles. Non, tu sais que il faut garder tout ce qu'elle est en train de faire. Bah, vous écoutez le piège qu'elle est en train de tendre à la lionne, non?
Vous êtes en train d'écouter ou pas? Elle est en train de tendre les pièges à la lionne. Partagez le live. Connais-tu qu'elle fait sous moi là? Elle fait seulement le survival. Elle me connaît. Elle me connaît. J'ai envoyé des cousins là-bas. Elle a fui, elle est partie. Quand elle a vu mes cousins, elle a fui, elle est partie dans la chambre de derrière là-bas. Il y a une petite porte, elle est partie en train là-bas. Elle a ouvert. Vous êtes quoi ici, ma chaîne? Elle est tu. Ne voyez pas comment elle parle sur Facebook. Elle est toujours sur ses gardes. Elle est toujours sur ses gardes. Dès qu'elle voit quelqu'un comme ça, elle panique. Ne la veille pas comme ça. Elle garde sa bouche de mâchoire là-bas pour vous parler sur Facebook. Elle est toujours sur ses gardes. Hein? Une saleté comme qui dit, c'est Christ qui compte. Elle a voulu te manquer du respect. Tu vas accepter ça, Nicole. Donc, Chamaleux est en train de préparer, de commanditer l'assassinat de l'alien. Chamaleux est en train de commanditer l'assassinat de l'alien. Vous êtes témoin de ce qu'elle est en train de dire. Voilà, et Nicole, que tu as fait que Flore sorte de ses gants. Nicole, que tu as poussé Flore à sortir de ses gants. Et c'est ça. Non, il ne faut pas simplifier ces choses-là, Jenny Junior. Non, il ne faut pas ces choses-là, Jenny Junior. Du Kamekash est descendu. Ouais, il est dans les transports, je crois. Ouais. Tu as notre téléphone là, il y a l'écho. C'est ma machine. Je veux baisser. Bah, je pense que le front compresseur et Flore est ouvert. Hein. Non, mais c'était coupé depuis. C'est juste que on a matérialisé ça aujourd'hui. Ouais. Ça a été concrétisé. On dirait ça depuis. C'était coupé depuis, mais du quand même, il faut avouer que le compresseur est un peu machiavélique. Hein. Mais pourquoi Flo? J'ai pas vu la partie où a cassé la photo. Qu'est-ce qu'il a poussé à bout en fait? Non, mais c'est au fur et à mesure l'énervement. Elle a commencé, elle est revenue parce que quoi, elle était en direct. Et puis, elle a dit après, tout chez Lolo, tu comprends? Ouais. Nous sommes allés chez Lolo, Lolo aussi fait son direct. Et puis, à peine quand Lolo a coupé, des gens qui ont des trucs comme les nous, on a vu que Flo était en direct. On repart en direct, on a pris ça comme ça en route. On voit seulement Flo qui est assise dans la chambre, mamie Anna, elle montre, elle dit, regardez, je m'occupe de ma mère, je suis fière. Mais au fur et à mesure, l'adrénaline, l'énervement montait et c'est comme ça qu'elle a vraiment pété un câble. Je dis, on a même signalé le direct, c'est coupé, Flo a relancé, elle a pris la pierre à écraser, mon ami cogné le truc là au point où ça s'est même cassé, la pierre même s'est cassée. Apparemment, la photo là était comme en alu, la fille a continué à couper, à cogner, 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 cogner. Bon, ce qu'on retient de ça, c'est que selon Flo, c'est le fait que la dame compris quoi là, a partagé apparemment le live où Nicole était en train d'insulter sa mère. Tu comprends? Tu comprends un peu du camin? Vous comprenez donc que ça c'est capable d'énerver Flore. Parce qu'on dit souvent que les clashs, ça énerve Flore. Et seulement Flore, énerver tout le monde. Non, je reste sur elle parce que les gens, il y a un qui vient souvent dire que non, ça ne fait rien. Les réseaux sociaux là. Comment ça, ça ne fait rien? Ça fait quelque chose. Comment ça s'en fait? Ça fait quelque chose, c'est vraiment bizarre. Elle était cassée là, ils ont signalé mon direct. Hein. Ils ont signalé mon direct que c'est. Il y a une dame là, elle a signalé que oh, c'est quoi dangereux là. On m'a notifié ça. Même maintenant, ça a marqué que le direct était en cours d'interruption, mais c'est revenu. Mmh. Bonsoir. 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 Ça va, dis quand même. Ah ben, ça fait longtemps. Tu étais où, toi? Très occupé du boulot. Oh là là, ça fait plaisir de te revoir. Ta journée était pas trop de boulot? Non, juste, il y avait des travaux chez moi, là. Donc, il fallait que je reste là. On refaisait la colonne des toilettes, là. Ah, d'accord. Alors, c'est quoi, comme divers? Non. Non, mais finalement, Flore et Compressor, c'est gâteau aujourd'hui. Hein. Et Nicole, qui était aujourd'hui, on a
Bon, direct, c'est là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'étais dans les transports, là. J'ai vu un peu. Aujourd'hui, on sait que la mère de Nicole, c'est la mère, Nicole qui a dit que j'avais le sida. La mère a dit que. Quelqu'un a un deuxième téléphone, là, ça fait trop d'écho aussi. Non, non, c'est pas moi, en tout cas. C'est pas moi du tout. Ange divine, ça va? Oui, ça va. Quand même. Alors, on t'écoute sur tout ce qui se passe. Il sait que toi, tu m'as... tu suis tout. Tu dis quoi? Ange divine. Oui. Tu m'avais promis de faire des séances, tu ne m'as jamais donné. Hein. J'étais au Cameroun tout récemment. Tout récemment, c'est vrai, c'est vrai. Ce qu'on va faire, on va couper court. Tu m'envoies un numéro. Là, je donne à quelqu'un qui va faire ça là-bas. On va faire ça comme ça, d'accord? Faut pas me verser la honte en direct. On n'a pas accès à toi. On t'écrit, on n'a plus pas t'écrit. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai tout bloqué, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai tout bloqué, c'est vrai. Et comment tu fais alors? Ouais. Bon, mais qu'est-ce que tu penses? Tu penses que Fleur avait raison de... Tu penses que c'est Nicole qui a fait péter les plombs à Fleur ou bien tu penses que c'est autre non, chose? Non, mais parce que tout ce qui se passe, finalement, Fleur revient avec moi. Quelqu'un n'a pas un deuxième téléphone? Je ne sais pas. Il y a Nico. Hein. Non, moi, je n'ai pas de téléphone. Moi, après, pas. Voilà. Je n'ai pas de deuxième téléphone. Moi. On dit le direct est signalé. Oui, les gens signalent le direct. Ils ont un groupe de signalement. Ils m'ont signalé. En fait, ils ont lancé un groupe de signalement. Je vais télécharger le direct. Je peux parler du camé. Non, je ne sais pas. Je peux parler, moi. D'accord. Ange, coupe le micro. Vas-y, Stéphane, on t'écoute. Oui, en fait, moi, je pense que c'est un cumul de beaucoup de choses par rapport à Flore. Là, elle a explosé, tu vois. Il y a depuis un moment, on disait la peur. Il y a un moment qu'on disait qu'elle a peur, peut-être que le compresseur a beaucoup de choses sur elle et peut-être elle ne veut pas parce que voilà, ça va exploser. Après, moi, je pense que c'est un cumul de choses et c'est la goutte d'eau qui a dépassé le vase. Bombardez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Merci beaucoup. Et partagez. C'est la goutte d'eau qui a dépassé le vase parce que quand Flore expliquait, tu n'as pas pensé, quand tu souffrais, je suis venue chez toi, j'ai fait à manger, je me suis occupée du ménage de chez toi. Tu n'as pas pensé à tout ça. Et ta mère qui disait qu'elle bénit notre relation et toi, ma mère, une personne en train d'insulter ma mère, laisse tes faux profils insulter, moi, je m'en fiche. Mais toi, tu prends ça, tu mets sur ton mur. Mais... Compresseur le fait depuis. Et aujourd'hui, quand j'étais en live, je disais très bien que le problème de Flore et Compresseur, c'est finalement les gens d'à côté. C'est finalement le faux jeu. Le faux jeu à deux. Le problème, c'est que comme Flore ne répondait pas depuis un temps, les gens disaient qu'elle a peur. Non, non, non. Flore n'avait pas à répondre parce que Compresseur ne clash pas Flore. Mais Compresseur partage les derrière des gens qui clash Flore. Bah, et on voit. Et ce qu'il a vu, la proximité de Flore et la lionne qui est sur Compresseur, c'est aussi ça qui énerve Compresseur. Non, mais... Ducamé, tu ne suis pas les directs des faux profils de compresseur qui font la caricature de la mère de Flore. Oui, du côté de Flore, il n'y a que la lionne. Hein, et du côté de compresseur, il y a combien de personnes? Bah, si tu vas... Bon, il faut être honnête, hein, disait-elle. Hein. Les abeilles sont en train d'insulter aussi compresseur. Il faut être honnête. Ducamé, bah, oui, Ducamé. La vérité. Ducamé. Ducamé, il faut être véridique dans cette histoire. Ducamé, je veux parler. Ah oui, soyons véridiques. Ducamé, je veux parler. Au Sénat. Tu dis la vérité. Vas-y, ma chérie. Ce que tu dis là, c'est très vrai. Et j'ai vraiment, moi, surtout parlant de la lionne, elle exagère. Mais les distels sont... Ce sont les personnes qui vont jamais venir dire la vérité. Non. On est au Sénat, ils vont... Non, moi, j'ai dit la vérité du camé. Le problème, c'est que... Attends. Non. Combien de temps la lionne est assise en train de clasher compresseur? Non, elle exagère. Mais du camé, elle exagère. Est-ce que Flo a déjà partagé où on insulte la mère de compresseur? Pourquoi tu veux mélanger? Encore là où tu ne veux pas dire la vérité. Tout à l'heure, Flo a dit qu'elle a tout. Rosie? Oui. Distel Rosie? Oui. On va dire que les faux profils de compresseur insultent, mais je vais te parler. Les faux profils de compresseur ont quelle visibilité?
Ils ont même quelle visibilité? Il n'y a que celles qui s'étouffent là même. Oh, oh, oh. Si c'est les autres là même, ils ont. Moi, je ne les connais même pas. Pourtant, je ne suis pas trop bien sur Facebook. Ils ont quelque... vraiment du gamin. Il faut beaucoup parler à ta fille là aussi. Hein. Beaucoup. Elle ne m'écoute pas. Parce qu'elle-même, elle n'est pas une noix blanche. C'est pas une noix blanche. Non, non. Elle ne veut pas dire. Et là, maintenant, attends, je te coupe. Mm-hmm. Puis je dis juste un truc. Et moi, je continue de dire à la Lyonne, la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Reste neutre. Parce que ce qui arrivé à Nico Kétia, tu as eu ça avant, les gens t'ont pardonné. Le conseil que moi, j'ai dans la Lyonne, ne vienne pas être. Tu as vu, tu as mal ce qu'elle a en train de dire là. Tu as mal, tu vas dire que c'est rien, mais je préfère te dire de ne pas entrer dans ces histoires là. Tu es au Cameroun. Tamale a dit quoi, Abdou Kamé? J'ai jamais vu, hein? Mais tu as mal. Tamale a dit quoi? Tu as mal en train de demander à Nico Kétia de payer les gens d'aller agresser la Lyonne. Ah, quel dégage celle-là. Tu n'as pas dit un dégage. Comme ça, ne simplifiez jamais une menace. Prenez-la au sérieux. Bah oui. Bon, du Kamé, je vais un peu donner. Tu peux dire un mot, du Kamé, je peux dire un mot. Adrien termine, s'il te plaît. Laisse qu'Adrien termine. Elle avait la parole. Non, Jenny, vas-y, ma belle. Mais vas-y. Vas-y. Merci. Du Kamé. Oui. Je ne dis pas que je suis d'accord avec Distel. Je ne dis pas que je suis d'accord avec Angela. Mais je vais. On dit que c'est le Sénat, on est neutre ici. Et tu me connais pour ma neutralité. Premièrement, j'écoute les directs de la Lyonne. Pour être sincère, oui, la Lyonne a eu des propos. D'abord, déjà, on voit la Lyonne qui s'attaque à la TKC. Non seulement elle s'attaque à la TKC et elle dit votre patronne qui fait X ou qui fait Y. Mais on voit qu'elle s'attaque à la TKC et leur patronne prend un coup. Et leur patronne prend un coup, on va dire ça. Premièrement, donc elle ne met pas son direct pour s'attaquer directement à la patronne de la TKC. Elle s'attaque à la TKC et la patronne prend un coup disant qu'elle est votre patronne qui fait ceci, qui fait tant. Donc, par ricochet également, la patronne est attaquée. Je suis d'accord. Mais sauf erreur de ma part, pour la pas le lien ni l'amitié, parce qu'on sait que l'amitié est finie depuis longtemps et que les gens jouent juste le maintien pour la visite, pour la vue des gens sur les réseaux sociaux. Mais Flore n'a jamais glissé pour partager un direct où on est en train d'attaquer directement Compressor. On va être honnête. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, si on veut venir à ce que tu dis, malgré que Oshiga, je pèse mes mots, insultait, lavait copieusement Flore, Compressor partageait et elle le faisait même quand Compressor la prenait en live dans le direct de Compressor, tu ne me diras pas le contraire. Flore n'est jamais sortie pour parler de ça. Vous allez me dire que Flore également parle avec Warios. On voit comment, avec Madame Sampaix, Zéro Paix. On voit comment Madame Zéro Paix se comporte avec. On voit comment Madame Zéro Paix se comporte avec tout le monde. Et en plus, Flore lui avait demandé de ne plus insulter Compressor. Deuxièmement. Et troisièmement, je pense que le fait que Compressor est partagé, Nico pouvait même encore insulter Flore. Honnêtement, Nico pouvait même encore insulter la mère de Flore. Je ne pense pas que Flore allait indexer Compressor aujourd'hui. C'est le fait que Compressor partage, ça veut dire qu'elle partage sentimentalement également ce que Nicole dit sur Flore et sur sa mère. C'est ça quand on partage une page. Et Juliette Bacquet qui dit « Je suis fourbe ». Je suis fourbe. Et je vais te dire que tout ce qui arrive, on a prédit tout ça. On avait prédit ici, parce qu'on avait abordé ça, que Compressor et Flore, ce n'était pas une bonne amitié, ça allait se gâter. On avait dit que Nicole Kétia va leader, elle leader. Tout ce qu'on dit ici au Sénat se réalise. Nous sommes en train de faire une analyse, nous ne sommes pas des, comment on appelle ça, nous ne sommes pas des Tinder en fait ici. J'aime, la Lyon, je peux la soutenir, c'est ma fille, mais quand il faut dire la vérité, je dis la vérité. Je l'avais dit. Et aujourd'hui, Flore entre dans le clash, pourquoi? Parce que Qui allume le clash? J'avais dit à la Lyonne que quand tu vas rester dans les histoires de TKC Compressor, ça va remettre Flore dans les clashs. J'avais dit ça ici. Et voilà ça. Parce que, comme vous le vouliez ou pas, Flore est rentré dans les clashs aujourd'hui. Si tu entres, tu vas dire que tu termines, pardon, donnez la parole tout de rôle. Oui, je termine simplement. J'avais dit que si tu restes concentré, tu vois, les gens maintenant ils vont t'encourager. Ils vont t'encourager là, mais quand ça va, regarde Nicole Kétia. Qui avait Nicole Kétia en ce moment? Tu veux subir ça encore? Tu as subi ça encore récemment?
et c'est même clair que c'est même mieux d'être fourbe. Parce que je ne le suis pas encore et de ne rien dire. Celle qui a dit que j'étais fourbe. Être fourbe, ce n'est pas dire la vérité à la lionne. Que là, parce que Flo entre dans le clash, ça veut dire qui allume. Compression a un mal-être avec la proximité de la lionne qui l'attaque. Et Flo. Et maintenant, il y en a qui disent que non, la lionne a sa team. OK. Mais je vous dis que l'élément déclencheur, c'est le fait que j'ai dit la lionne, si tu veux aimer Mafo et respecter le fait que Mafo a dit qu'elle ne soit plus dans les classes, évite d'être avec les de ramener son nom. Évite de ramener son nom. Elle avait dit, et voilà ça qui est tombé. Et moi, je vais dire un truc encore. C'est, ça va se réaliser. Moi, je suis un vieux de la toile. Flo est entré dans les classes. Compression de Flo. Et moi, je me dis, Flo ne va pas se ça. Je préfère vouloir, elle dit sa fille, tout ça là maintenant, mais elle va vouloir ressortir de là. Mais quand la lionne sera dans la merde là-bas, que tout le monde sera sur elle, Flo ne va pas prendre sa caméra pour la défendre. Oui! Mais vous dites la vérité, Flo ne sera pas la guerre de la lionne. Non. Mais non, du caméra, je ne suis pas d'accord parce que plusieurs fois, Flo dit dans son direct, je ne suis pas responsable. Donc, Flo n'a pas à sortir là. Flo n'aura pas à sortir pour lui défendre. Flo le dit toujours. Là, vous êtes du camé, Flo dit toujours ça. Flo dit toujours. Flo dit toujours que ce sont des grandes filles. Ce sont des grandes filles. Ça et elle a cité même le nom de trois personnes d'elle, de Pascaline et que vous êtes des grandes filles. C'est ça, chacun c'est qui met sa caméra, ça lui, ça l'arrange. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui. S'il vous plaît, pourquoi... En tout cas, du camé, je peux parler. Avant, je préfère recadrer. L'esprit qu'il y a au Sénat, c'est que je peux donner mon avis, tu peux donner ton avis. Il n'y a pas de Tinda. Parce qu'un Tinda ne peut pas être à l'aise ici. Il va commencer à faire les affaires. C'est pas question de Tinda. Tu donnes dans la logique. Donne ton avis. Moi, je donne un avis. Tu donnes le tien. Tu ne peux pas combattre. Ici, c'est, j'ai une idée. Tu as ton idée. Et après, les gens, ils disent, on peut combattre au Tinda. Parce que moi, je ne suis pas une personne. Du camé, laisse-nous parler. Laisse-nous avec ta politique non, de l'autruche là. Laisse-nous parler. Je crois qu'elle n'a pas. Laisse-moi qu'elle termine. Bonsoir. Justin, tu avais la parole, donc termine et puis... Oui, parce que moi, je vois que ça devient conflictuel, tu comprends? Ça devient conflictuel, conflictuel pourquoi? Parce que moi, je vois que... excuse-moi, on est au Sénat, moi, je donne mon avis. Je vois que toi, du Camer, tu es en train de vouloir convaincre dans ta logique. Toi, tu ne donnes pas ton avis. Mais toi, donne ton avis, moi, je vais donner ma part. Voilà. Je suis en train de donner mon avis dans le sens où c'est toujours toi, ça ne fait pas quelques jours là que tu disais, non, Flo, elle a déjà dit à tout le monde que voilà, chacun est libre de son bloc. La lionne, elle fait son bloc. Je ne suis pas responsable du bloc de la lionne. Flo a toujours dit ça. Ça, Flo l'a dit. Aujourd'hui, elle tu, dit tu, toujours. Tu tournes de l'autre côté. Moi, je ne comprends pas. Ça devient conflictuel, ça, du camer. Tu n'es plus dans la logique. Puisque je n'ai pas le tout. Pourquoi aujourd'hui, tu fais savoir que man, c'est à cause pas, de la lionne. Ne crie pas, ne porte pas la vérité. C'est pas un problème entre nous deux, c'est ton avis. Ne porte pas la vie, Simon. Parce que je n'ai pas la parole. Du camé, parce que moi, je vois que toi, tu changes d'avis quand ça t'arrange. Tu vois, moi, du camé, c'est inversatif. Il n'y a pas deux jours. Non, c'est pas ça que tu disais. Non, on change d'avis selon un contexte et je ne peux pas m'expliquer. Ça va devenir une histoire de toi et moi. Je m'expliquerai plus tard quand j'aurai la parole. Tu as parlé et dès que tu as la parole, s'il te plaît. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je voulais revenir un peu sur ce qui s'est passé en fin de matinée sur ton live du camer. Ensuite, je vais rebondir. T'as fait fort. T'as fait vraiment, vraiment fort. Non, pas. J'étais inspirée. J'étais inspirée ce matin, mais je t'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi tu. En fait, t'étais comme un charognard qui aime le sang du camer. Du camer, c'est ça. T'étais là, peinard, sur ton canapé, il te manquait plus que ta bouteille de vin. Il aime ça, c'est justice pour lui. Verre, et tu jubilais, t'étais en jouissance. Quoi. Il était fier de ça, ça c'est vrai. Ne m'en pas, je devais l'allumer bien. Bon, après, c'est ton live. C'est vrai, tu fais ce que tu veux. Mais même si le pasteur est bon joueur, bon, et je comprends. Hein, que ça se passe bien entre toi et Thérèse, mais c'était un peu bizarre quand même, tu vois, c'était un peu bizarre, mais encore une fois, tu n'as pas de personnalité de laisser cette femme monter dans ton life. Non, moi je te dis, je vais t'allumer que quand il y aura cash money. Attends,
Donc voilà, moi c'est ce que je peux dire pour ce matin. Concernant la suite de ce qui s'est passé, donc le clash FDL versus Nicole, waouh. Je veux dire que Nicole, on sait pertinemment qu'il n'y a plus rien à faire pour elle. On sait pertinemment que Nicole, c'est une jeune femme qui n'a, moi de mon point de vue, hein, qui n'a plus toute sa tête. Et qui vraiment, pour moi, a des réels problèmes d'ordre psychologique. Non, mais ça, mais en plus, mais non, on va pas. Elle est. On va pas. Pardon. Dans l'injure. Dis qu'elle a pas. Non, je suis pas dans l'injure. Je dis ce que je pense. J'insulte personne. Et d'ailleurs, du camer, tu sais pertinemment, tout le monde le dit. Toi-même, tu l'as déjà dit. Donc, ne peux pas me reprocher de le dire. Même de manière bizarre, là, ça a fait quoi. Laisse-nous parler. On insulte personne. Dis que quelqu'un est malade, c'est pas une injure. Et moi, je pense que Nicole, non seulement donc elle a ce problème-là, mais en plus, elle n'est pas aidée par ceux qui l'ont sens. Ceux qui l'ont sens, c'est les gens de la TKC, qui, au lieu de lui dire, écoute, laisse, baisse le volume, occupe-toi de ton existence, cherche à mettre de l'ordre dans ta vie, tu reviendras plus tard, parce que partir... Tu peux partir et revenir. On ne te demande pas de partir définitivement, mais on te demande de mettre de l'ordre dans ta vie. Parce qu'on a suivi le cheminement de Nicole quand elle est arrivée sur la toile, quand elle était en couple avec son mari, sa fille et tout ça. Là, aujourd'hui, on connaît où elle se trouve. Donc, il aurait été plus intelligent que les gens qui la soutiennent, puisque la TKC a décrété que, de toute manière, ils allaient acheter le problème de Nicole. Non seulement Nicole, elle est perdue, parce que honnêtement, il n'y a plus rien à tirer de ça. Mais en plus, les gens l'ont sens. Est-ce qu'on peut rester sur le problème, en fait, avec FDL, rester uniquement sur le problème, laissant un petit peu sa santé mentale? Mais comment tu veux qu'on résolve un problème sans aller à la racine? Comment tu es à la racine du camel. Laisse ça partir à la racine. La parole aux gens. Donc, concrètement, est-ce qu'il est resté longtemps Je finis mon propos et puis je laisse la parole. Concrètement, ce qui s'est passé aujourd'hui, Nicole ne pouvait que répondre à FDL parce que les gens lui disent d'aller répondre. N'oublions pas que c'est une nana qui n'a plus toute sa tête. On peut dire ce qu'on veut, on peut raconter ce qu'on veut, elle n'a plus toute sa tête. Si elle avait toute sa tête, elle serait restée tranquille, au calme. Parce que ce qu'a fait aujourd'hui FDL, c'est une violence qui n'a pas de nom. Sortir les audios de sa mère, permets-moi un peu de renchérir sur ce que tu dis. S'il te plaît, Adrien, oui. je finis juste ma phrase. Et sortir l'état de santé de sa mère, pour moi, ça n'avait pas de sens. C'est d'une violence pas possible. Et comme Nicole ne réfléchit pas, et que derrière, elle est encensée par des gens qui ont décrété que ce serait de nouveau la guerre avec FDL, voilà ce que ça donne. Je te laisse la parole, Adrien. Oui. Du Camer, ce que ce qu'il vient de dire là, c'est très fondamental. Pourquoi? Parce que ce truc a commencé depuis au moins 3 jours, où Nicole est sortie depuis, elle a dit menacer Flo. Apparemment, Flo a vu ça, ça fait seulement 2 ou 3 jours. Et quand Flo a vu ça, Flo est sortie, lui dit, hey, madame, bah, arrête ça, machin, tu peux effrayer qui et tout, et tout, et tout, et tout. Elle, sachant déjà que, puisque Flo a dit aujourd'hui que le même voice quand sa mère le lui avait envoyé, Elle l'avait retransmis à Nicole. Toi, Nicole, sachant déjà que Flo a une balle comme ça sur toi, mais vous pensez que cette fille, et si cette fille avait toute sa tête, toi qui dis de ne pas jouer, de ne pas parler de sa santé mentale là, tu penses que si Nicole avait toute sa tête, elle pouvait encore broncher? Vous ne trouvez pas que c'est suffisamment grave ce qui a été dit aujourd'hui? Mais moi, et pendant que Flo dit, la fille trouve toujours du temps à sortir faire des lives. Mais du famille, il y a des choses que quand ça sort, mon frère, ça te coupe le souffle. On parle de ta mère. C'est devenu quoi sur Facebook? Il y a trop d'argent. Vous gagnez trop d'argent. Même toi qui passes ton temps à dire que j'ai gagné ceci, machin. Tu penses que du gamin, tu peux gagner quoi par rapport à que si tu vas, tu te lèves pour aller travailler avec tout l'honneur que ça peut donner. Ça, c'est quoi? La fille est sortie avec tout ce qu'on a dit sur sa mère. Elle ne prend même pas le temps de respirer un peu. Elle est sortie toujours parler. Mais vraiment, c'est très grave. Adrien, je peux dire un mot? Et cette fois-ci, cette fois-ci du camion avec tout le respect, je m'adresse à toi.
Hein? Comment il y a un bruit chez toi là? Tu dis quoi, ma belle? J'ai pas suivi. Bertrand, il y a un truc chez toi là. Non, sûrement, il y a un micro, il y a un retour. Sûrement, on doit arrêter le micro. Oui, j'ai pas suivi ce que tu dis. Vous êtes du Cameroun? Oui. Du Cameroun? Oui. Avec tout le respect, vraiment, je vais m'adresser à toi. Le Sénat du Cameroun, c'est ton concept. Et le patron du Sénat doit être quelqu'un. Ouais. On t'entend pas, Divine. C'est pas audible. On t'entend pas. Divine, on t'entend pas. Bertrand, on t'écoute. Hein, sur. Je voudrais que les gens restent un peu sur le sujet. Hein, franchement, les remontrances aussi, il faut les faire plus tard. Beaucoup de gens sont là pour écouter l'histoire. Bertrand, t'es là? Je suis là, du Cameroun. Voilà. La sortie de Flore sur Nicole, tu en penses quoi? Bon, la sortie de Flore, je l'ai trouvée un peu maladroite. Hein. Pourquoi? Parce que ce qui a été dit, bon, je crois quand même que Flore aurait dû quand même cacher cette information concernant la santé de la mère de Nicole. Bon, afficher sa séropositivité, on va dire qu'elle ne s'est pas gênée, mais j'ai trouvé ça, c'était pas beau, franchement. Elle pouvait rester dans le cadre de... Enfin, elle pouvait tout dire sans exposer cette femme-là, dans ce sens-là. Mais après, c'est un ras-de-bol. Hein. Après, c'est un ras-de-bol. C'est que, justement, du Cameroun, avant que je n'oublie, tout à l'heure, dans ton direct de la journée, un follower t'a dit que Compressor aurait partagé le direct de Nicole Kessa. Tu as vérifié sur ta page, tu n'as pas trouvé. Tu t'en souviens? Il paraît qu'elle avait déjà effacé. Hein. Voilà. Mm-hmm. Non, on se concerne, personne n'a vu en fait. Donc j'ai peur que Flo soit sorti sur base de fausses informations. J'ai peur, je ne dis pas que c'est pour ça, mais peut-être c'est le même follower qui est venu dans ton direct et dit que Compressor avait partagé. Tu as vérifié, tu n'as rien vu. Bertrand, non, même dans le direct de Nancy, quand Nancy a lancé le direct après, il y avait beaucoup de gens qui disaient que, qui insultaient. Flo n'était même pas encore sorti, qui insultaient en commentaire qu'elle a partagé et puis elle a effacé, machin, avant même que Flo ne l'ait. Donc, non, mais, c'est la vérité. Attends, l'autre jour, on m'a fait un coup là. Heureusement que j'étais allé vérifier. J'ai failli clasher quelqu'un pour rien. On m'a dit que dans un direct, telle personne m'a lavé. Je suis allé écouter le direct, je n'écoute pas le lavage. Il voulait y engager. Non. Ducamé, je te dis. Ducamé, écoute, je te dis. Écoute, avant que Flore ne sorte même, Nancy était en direct. Et Nancy décryptait le premier live. Mais les gens mettaient déjà en commentaire qu'une femme méchante comme ça, elle a même osé partager. Je te dis, l'autre aussi, vraiment, monsieur du saumon, elle ne veut pas taper avec ton petit nom, chéri. Saumon, ceci-là, c'est vérifié. Ceci, c'est ouais, elle a partagé. Parce que tout à l'heure, du Cameroun a vérifié, n'a pas trouvé. Donc, oui, mais non, parce qu'elle avait supprimé. Elle avait supprimé, c'est vérifié. Et en plus, le problème, c'est que
quand on a dit ça, Flore était encore dans le live. Moi, j'étais dans le live de Flore. Voilà. Flore a même répété qu'on m'a même dit qu'on a partagé, puis on a supprimé. Et Flore n'est pas sortie. Voilà. Donc, si Flore est sortie après, c'est parce qu'elle a eu la conviction que ça avait été partagé. Oui, merci, la rose. Flore n'est pas tombée dans le piège, même dans le direct. C'est après, sûrement, l'intervalle où elle est sortie dans le live de Lolo. Puisqu'on dit qu'il y a les gens qui ont fait les captures d'écran. Les captures d'écran. Voilà. Elle capture l'écran de son partage. L'écran. Ah, d'accord. Ça, elle capture l'écran. Ça va. Ça veut dire qu'elle a reçu. Je t'entends qu'elle a vu. Exactement. Quelqu'un a dû lui envoyer la capture d'écran que voilà, ça, elle avait partagé, mais elle a supprimé. Ah, d'accord. Bertrand. Okay. C'est clair maintenant Bertrand. Parce que ça a cogité un peu dans ma tête. Bertrand. Oui. Tu sais que tu es tout sauf chic ni saumon. Tu es tout sauf ça, les deux choses. Tu n'es pas chic, tu n'es pas saumon. Mais je vais te dire que je suis d'accord avec toi sur l'autre-ci. Vrai de vrai, j'ai mal au cœur pour ça. Je me dis que Flore a pu se retenir pendant, depuis quand là, elle aurait pu laisser. J'ai dit, c'est une information que je ne sais même pas comment la fille Nicole Ketiala a encore la force de se mettre en direct. Sinon, ça c'est l'hécatombe. Ça c'est, comme on dit, un hypercute qui n'a pas de sens. Mais en tout cas, on est là. C'est votre game, non? Pourquoi on se pose la question, mais comme ça, pas dans les directs de Chica, elle partage dans les directs d'Oshika. Elle est même dans les directs d'Oshika qui insulte copieusement la mère de Flore. Est-ce que c'est étrange? Est-ce que c'est nouveau? Non, mais peut-être Flore a dit que c'est une vase d'eau. Donc, tu sais pourquoi c'est Flore prend ça comme ça? Ou la mère. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi Flore prend ça comme ça. Parce que qu'est-ce qui déclenche tout ce qu'il y a ici? Il y a un voice de Nicole Ketcha qui se plaint que Compression ne partage puis c'est direct depuis un moment. Mm-hmm. Et puis d'un coup, comme ça, Compression partage son direct parce qu'on est en train d'insulter la mère de Flore. La mère de Flore. Et donc, c'est normal que Flore prenne ça comme ça. Oui. Bon, maintenant, est-ce que je peux donner mon avis, si vous me permettez, par rapport à cette. Les voices de la maman de Nicole qu'on a mis. Vas-y. Vous savez, je suis souvent très, très, je suis quelqu'un de très, très, très partial et très conciliante. Mais sur ce coup, c'est mon avis, hein? Oui. C'est le Sénat, non? Voilà. Oui, maman. Sur ce coup, je soutiens Flore là-dessus à 100%. Parce qu'il y a les enfants que il faut les. Ça veut dire, il faut les faire pour que ça les fasse un choc. Même mon comme le genre d'enfant. Comme Nicole, même l'autre choc ne la réveille pas. Nicole ne peut pas avoir une maman qui a une pathologie pareil. Telle que celle-là. Elle est en Europe depuis 2018. Nicole, si c'était un enfant intelligent, qui a, avec tout ce qu'elle a vécu, la mère qu'elle a pris, tout, elle est entrée ici. Normalement, en temps normal aujourd'hui, Nicole, sa mère devait être auprès d'elle pour bénéficier même des soins, des meilleurs soins en Europe. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est entrée dans les vies, elle est venue sur Facebook, entrée dans les vies des gens, inventer les histoires dans des gens. Elle a collé cette pathologie à Ducamer qui est en Europe. Mon Dieu, sachant mon Dieu. Que, voilà. Sa mère, elle insulte la mère de Flore. Flore, c'est un enfant qui, malgré tout ce qu'on peut l'accuser, elle a quand même enlevé sa mère au pays. Parce que j'ai entendu celle de Ndolé Miondo dit tout à l'heure que Flore n'aime pas sa mère. Sinon, Flore ne voyagerait pas dans tout le monde entier et laisser sa mère. Flore, quand elle laisse sa mère en sécurité. Flore a enlevé sa mère. Elle a seulement vu, regardez comment la chambre de maman Anna est jolie, jolie, comme si ça sent même pas. Voilà. Et entre-temps, ils sont en train d'encourager une fille qui a, en Europe depuis 2018, qui se fout de sa mère, qui a rendu sa mère une mendiante dans les inbox, de ce sera disant maman. Mais qu'elle a insulté les gens et il encourage Nicole Ketcha à insulter les gens et il veut comparer Nicole Ketcha à la mère que Nicole Ketcha a à Flore qui a enlevé sa mère, fait profiter en sorte que sa mère bénéficie des meilleurs soins en Europe. Donc, sur cette décision-là, je soutiens Flore à 100%. Elle a bien fait. Même comme ça ne va même pas faire les choses à l'autre là. Ça va même plutôt encore l'embourber. Elle va maintenant bien sombrer. Mais comme tu fais ton lit, tu te couches. Voilà mon point de vue. Je vais dire quelque chose. La rose. La rose. Page de compresseur, là. Je tente de vérifier quelque chose. Nicole, que tu as, franchement, elle n'a vraiment pas de cerveau parce que quand tu regardes la page de compresseur maintenant, tu sens qu'elle a un nouveau page. Elle ne partage plus aucun live. Oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Elle n'a pas un live sur page.
Sa page est soignée. On va regarder ensemble. Donc, quand j'ai regardé toute sa page, je n'ai fait que parcourir. J'ai cherché jusqu'au 3 mai. Voilà la page. Il y a des comportements d'Amélie. Donc, en fait, la personne qui fait sa part maintenant ne peut pas partager. Donc, Nicole n'est pas que comportement. Pas... Non, c'est ce qu'elle partage avec Maléba Perpétue. C'est ce que c'est avec ça qu'elle avait partagé. Ce que je veux dire, c'est que j'ai remarqué quand même qu'elle soigne sa page. Oui. Elle est en train de soigner sa page. Honnêtement, la page, elle est bien. Donc, c'est... Ouais, elle est en train de changer son image. Oui, elle travaille son image parce que franchement, son profil est propre. Sans blague, son profil est propre. Elle ne met pas n'importe quoi sur sa page. C'est propre, j'ai vérifié. Depuis, là on est le 20 avril jusqu'en avril. Donc la personne a effacé tous les, la personne a effacé tous les conneries qu'il y a sur sa page. Donc du coup, je pense qu'elle est en train de travailler son image et que même à Flo, elle ne va pas répondre. Que... Non, elle ne va pas répondre. J'ai dit elle ça tout à l'heure. Elle ne va pas répondre. Elle ne va pas répondre. Non, elle ne va pas répondre. Si elle a quelque chose à dire, elle va vous dire comment elle va faire. Elle va parler, mais pas sur sa page. Nolé Mion va lancer le direct. Elle va aller parler là-bas. Ouais. Elle a acheté là. Ouais, ouais. Elle va aller ouais, c'est clair. Donc, en gros, sa générale, Nolé Mion, c'est. Mais sur ses pages, mais ça ne sert alors à rien. Parce que, honnêtement, la manière dont elle travaille ses pages, c'est pas mal. Mais garde l'image là. Elle ne peut pas. C'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas. Et si tu veux éviter la guerre avec Flore, évite aussi d'entrer les coucher. D'aller dans les directs de coucher. Tu sais que tu es dans la tête de compétition en ce moment, que Flore est en train de soutenir la lionne qui l'insulte. C'est ça qui la met en colère. Ouais, mais le pétage des câbles de Flore de Lille, c'est vrai qu'elle a pété un câble. Hein, quand elle veut faire le poste avec la photo de compresseur. Mais pardon du caméra, hein, ça va couper. Vas-y, poursuis. Ouais, j'étais en train de dire quand même que ce pétage des câbles a été quand même très fort. Parce qu'il n'y a que la veuve joyeuse qui a souvent fait ça. Mais Flore de Lille, ça veut dire que c'est un vase tellement plein au point de déborder. Ben, je veux dire que si on rentre dans la vie des deux femmes, les deux femmes se sont tirées dessus de façon déguisée. Ça veut dire que depuis quelques mois, la lionne parle ouvertement de compresseur sans plus se gêner comme autrefois. Parce qu'on sait qu'autrefois, elle a osé tousser, on l'a mis en quarantaine. Mais cette fois-ci, elle parlait avec aisance, elle prenait le loisir de parler et compresseur ne disait rien. Bon, on ne va pas dire que compresseur ne faisait pas les mêmes, puisque Oshiga a commencé et puis ça voilà. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, c'était juste un ras-le-bol. Je ne dis pas que Flore a juste craqué. Elle a craqué, quoi, parce que c'est ce qu'on a vu là. Ben, j'étais choqué de la voir comme ça, puisque... Non, le ras-le-bol de confession, c'est qui fait craquer Flore, c'est le partage de la vidéo de Nicole. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui soulève tout ce qui est sur la toile? Un voice où Nicole explique que ma pépé, depuis le mois d'avril, tu ne veux plus. Donc, en gros, quand... Donc, tu profites donc du fait que maintenant, cette fille vient me clasher et puis vous voulez vous unir maintenant parce qu'elle est en train de me clasher, elle a jusqu'à insulter ma mère. Maintenant, toi, tu trouves que tu dois partager. Voilà d'où c'est qui pique Flore. C'est justifiable et c'est normal. Tu sais que tu es partisane, c'est-à-dire que tu as un camp. Mais je voulais te dire que compresseur dans sa tête également est en train de dire que c'est la lionne la clash tous les jours et les abeilles, ça vient de Flore. Et moi, je vais Mais c'est pareil, puisque Oshiga fait de même. Voilà, donc, comment je vais... Non, Oshiga n'est pas comme ça. Oshiga, c'est différent. Oshiga, c'est pas comme les autres. Oshiga, bon, elle a toujours fait ça. Non. C'est pas comme si elle avait commencé maintenant. Oshiga a toujours traité tout le monde. Compression a laissé rallier à Oshiga. Peut-être que Flore... Voilà. Peut-être que Flore, c'est parce qu'elle ne suit pas Oshiga. Parce que Oshiga est plus violente que Nicole Ketia. Oshiga est plus... Est 10 fois plus violente. En plus, il y a l'autre là où c'est milliardaire quoi là qui est sorti hier aussi. Elle a même dit que menacer même Flore aussi. Et elle a dit que compresseur aurait déjà bloqué Flore partout. Donc en gros, milliardaire là, est venu annoncer à Flore que toi, si tu es encore dans l'amitié, la compresseur n'est plus dedans parce qu'elle t'a bloqué partout. Et ça. Et on sait très bien. Flore, compresseur est parti depuis 2 mois. Voilà. Et on sait très bien que on veut faire partie depuis 2 mois, mais sauf que Flore aime souvent jouer aussi à toi, à moi, parce que
Titi, elle part, elle revient. Parce que jusqu'à l'autre jour, même ça pesait, la bouche de Flore pesait quand elle doit dire ma collègue. Parfois, elle veut toujours dire ma co, mais après, elle dit ma collègue. Je le dis simplement, mais tu sais, comment, c'est, tu sais ce que les gens pensent quand Flore fait ça. Puisqu'on sait que l'amitié est morte, mais elle revient toujours entre et compression n'est plus dans la rigolade. Je suis en train de dire que je fais prof est trop lourd à toi, à moi. Ouais. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, et entre temps, compression, en fait, compression a déjà compris que, et c'est deux camps qui s'affrontent. Les deux personnes même n'ont pas encore commencé. C'est peut-être que ça va à débuter aujourd'hui. Parce que c'était un geste fort quand même de brûler, de casser la photo. Tu vois? Elle était hystérique. Et compression, moi, je peux te dire que si elle a, quelqu'un l'a retenu encore, ce sont ces gens qui lui disent qu'elle reste tranquille. Hein, parce qu'elle-même aussi, elle est quelquefois quand même impulsive. Elle aurait dû peut-être... Non, c'est parce que, Flore, il y a les gens qui sont en train de... Compression, il y a les gens qui sont en train de faire un gros travail sur elle. On lui dit qu'on veut même lui faire comprendre... Je peux vous dire ce qu'on est en train de lui faire maintenant. On veut lui faire comprendre que voilà une occasion pour prendre le dessus sur elle. Donc, pour montrer que toi, tu es la meilleure. C'est-à-dire qu'on l'appuie. Mais sauf qu'on va la contenir jusqu'à quand? Et honnêtement... Non, et honnêtement, si Compression ne réagit pas, elle n'aura plus le dessus dans ce conflit. Moi, il y a quelque chose à laquelle je pense. Je pense que, très honnêtement, FDL, elle était un petit peu... Elle en avait marre des attaques. Oui. On continue et un peu non assumé de Nicole et puis de la TKC. Non, mais donc, elle a explosé. Ben, ça venait des attaques, venaient aussi, on peut dire aussi les mêmes attaques. Oui, dans tous les cas, elle a explosé. Mais moi, ce que je me dis, c'est que, bon, on est des êtres humains, c'est tout à fait normal. Mais peut-être qu'elle aurait tout simplement dû laisser le truc à la Lyonne, parce que du coup, la Lyonne, en fait, depuis quelque temps, elle gère plutôt bien son match virtuel avec Nicole, et elle lui donne pas le lait. Donc, du coup, moi, là, tu vois, ça me donne l'impression que voilà, Flore de Lille disait que fini le clash, tu vois, le clash est revenu, et c'est pas fini. Tu vois, elle voulait sortir du clash, bah elle est retournée dedans en fait. Et d'ailleurs, elle n'était pas complètement sortie, elle faisait ça subtilement, mais aujourd'hui, elle est carrément sortie de son grenier en fait. Mais elle a fait du clash, comme elle sait faire. Il y a quelque chose d'injuste que les gens ont envie de dire, franchement. Quand les deux teams s'entendaient, les deux teams combattaient qui? Avec quel métier? Qui combattait Lolo, non? Quand combattait Lolo, ils combattaient. Maintenant, c'est l'inverse. Facebook, quelle hypocrisie. Les deux teams là combattaient Lolo avec les deux joueurs, la Lyon et Nicole. On est d'accord? Oui. Quand les deux teams maintenant se gâtent, quelles sont les méthodes? On ne dit pas que. C'est-à-dire que Flore et Compression subit. Il faut pas dire. C'est elles qui ont nourri les Lyons. Hein? Ou le Lyon. C'est elles qui ont nourri le monstre. Ouais, elles ont nourri les deux généraux et les deux généraux sont devenus dangereux. Les généraux s'affrontent maintenant. Et Nicole, quelle est sa stratégie en fait? Nicole, que tu as avec la Lyon, elle sait qu'elle ne veut pas calculer la Lyon, elle attaque Flore. Ouais, d'ailleurs, on lui dit de s'accrocher sur Flore. Elle a commencé déjà à partager les fonds sonores de Flore et son petit ami d'Allemagne. Bon, on ne sait pas si c'est des nouvelles, des nouveaux contenus ou des voices déjà entendus pendant la saga des voices avec Coco et tout. Mais en tout cas, Nicole allait déterminer. Mais ça ne serait pas du jamais vu, puisqu'on a vu comment elle s'est attaquée. Elle a l'air de terminer, elle va rien faire du tout. C'est elle qui va s'épuiser. Pourquoi les réactions alors? Elle pose des appels, des réactions. Mais elle-même, ça lui fait quoi? Tout on lui dit là, on a même dit que ça mêle aussi dans ce lieu. Vous l'avez vu? Non. Bah oui, après, on non, du caméra, du caméra. Oui, mais c'est à la fin de la journée, c'est elle qui perd dans tout ça. À la fin de la journée, c'est équipé Flore, sa vie continue. Ça ne va pas arrêter les contrats de Flore. Ça ne va pas faire en sorte que Flore va arrêter ses travaux. À la fin de la journée, c'est équipé. Il faut arrêter de dire qu'il y a des gens qui... Le clash touche tout le monde. Oui, Flore a réagi. Le clash touche tout le monde. Arrêtez d'être... Elle a réagi, on l'a vu. Elle a pété un câble. Elle a pété un câble aujourd'hui, si ça la touche. On l'a vu. Je n'ai pas dit que le clash ne touche pas. J'ai dit à la fin de la journée, c'est... la Nicole qui paie. Parce que c'est elle qui a encore une vie à construire. Flore n'a pas une vie à construire. Ouais, c'est vrai, la rose. Ouais, il faut le dire.
Flore n'a pas une vie à construire. C'est elle qui va se lever le matin, elle va réfléchir ce qu'elle va sortir pour venir au lieu d'aller se chercher. Flore n'a pas une vie à construire. À la fin de la journée, chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Et tant qu'on respire, là, on vit, riche ou pauvre. Non, du coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Arrêtez d'encourager la bêtise. En tout cas, c'est ton avis, je respecte. Ouais. Mais je ne sais pas, à la fin de la journée, c'est elle qui fait. Chacun a sa vie. Bon, comme quand chacun a sa vie, elle n'a pas à se venir. Pas, il n'y a pas quelqu'un qui a passé le temps à venir se foutre son nez dans les vies des gens, comme Nicole. On n'a pas insulté. Hein. Franchement, quand il entend vos analyses, donc, il y a des gens qui méritent de fermer la gueule. Non, même si on est par terre, on ne ferme pas sa gueule. Ben oui. Je ne lui ai pas dit de fermer sa gueule. Hein. Je dis juste que parfois on peut être par terre. Si tu es quelqu'un de réfléchi, tu peux être par terre, tu fermes ta gueule. On prend aussi du recul pour mieux sauter. Moi, je te prends moi. Quand je suis à terre, je sais que je suis à terre, je recule pour mieux sauter. Elle a vu qu'elle n'est pas encore à terre, elle ne lâche pas. Non, ah, mais c'est un problème. Du caméra. Nicole est à terre. Ah. Mais ça se voyait à son visage. Mais ouais. Simplement, comme elle a décidé que c'était Hulk et qu'elle allait combattre FDL coûte que coûte, voilà. Et donc, elle va jusqu'au fond de sa logique. Pardon ? Donne-moi le nom de quelqu'un qui ne soit pas à terre. Non, mais j'ai... là, on parle en l'occurrence, on parle d'elle. Elle est... Oh non, je ne suis pas partisan. Moi, je suis pas partisan. Dans l'histoire, qui n'est pas par terre ? Non, mais les deux, en fait, les deux sont touchés en réalité. Les deux sont touchés. Tout le monde. Les deux tout sont le monde touchés. À terre, la vérité, mon frère. Mais on dit d'heures en direct. Combien d'heures pour ça ? Pardon ? Ça fait combien d'heures ? D'heures ? Elle en dirait plus de 6 heures. C'est parce qu'elle avait sa journée libre aujourd'hui. Tu penses que si Flo avait les choses à faire, elle allait rester en direct. Elle a pris la journée exprès pour le faire. C'est parce qu'elle avait sa journée. Elle est touchée. Dans cette histoire, c'est ma personne, elle m'a dit qu'elle est touchée. Son image en prend un coup. Comment elle clash avec une Nicole qui tient 6 heures. Elle a fait 6 heures de direct. C'est avec un compresseur. C'est passé un compresseur à partager qu'elle a fait. Avant, elle était en train de clash. Avant, elle n'était pas dans le clash. Elle était en train de clarifier un fait. Voilà. Mais comment tu peux dire voilà, c'est que Flo est en train de faire sur Nicole qui était, c'était pas le clash. C'était pas le clash, non. Non, c'est pas le clash. Le clash, c'est la seconde fois qu'on a vu là. Okay. Le clash, c'est l'étincelle. Tu as vu, est-ce qu'il y avait les étincelles la première fois? Il n'y avait pas d'étincelle. Non. Tandis que la deuxième fois, il y a eu une étincelle. Elle a pris un caillou pour essayer de casser une photo en métal. Ça fait des... Donc, c'était un clash. Je vous en prie, écoutons Ange divine. Ange, on t'écoute. Ange, c'est bon. Bonsoir. Ouais, ensuite, c'est pas là où tu es, ta connexion là, c'est vraiment. Ben, c'est qui dans ce cas parle. Non, les Camerounais, vous respectez. Vas-y, parce que Ange, je sais pas où est sa connexion. C'est pas encore la fibre, Ange. Ben, vas-y, hein, si tu peux, ou toi aussi, t'es. Ou bien non, non, pardon, j'avais oublié de désactiver le micro. Je disais que... Ange est là dans le direct. Nous, on est trois. Comment Ange pourrait être là? Elle est là. Vas-y. Elle n'est pas là. Ben. Vous m'entendez? Oui, Ben. Oui, je disais que les deux sont touchés. FDL pour son image et Nicole n'a pas d'image. Donc, Nicole, elle l'air comme... Non, mais. Bon, quand même, elle a quand même une image. Non, elle n'a pas d'image, je suis désolée, le saumon. Elle n'a pas d'image du tout. Flore, elle a une image. Mais Flore, aujourd'hui, elle a éreinté son image. Parce que franchement, s'abaisser à répondre à une pisseuse comme Nicole, ça ne valait pas le coup. Il fallait laisser le truc à la lionne, tu vois. Mais en même temps, on peut comprendre. Il y avait peut-être une certaine frustration. Du comportement de Nicole. Et puis Nicole, comme elle se prend pour Hulk, bon ben voilà. Mais en réalité, elle était atteinte. Toutes les deux étaient atteintes, mais je pense que celle qui a le plus à perdre, de toute manière, c'est Nicole. Hein. C'est pas FDL. FDL, elle restera FDL. Mais le plus à perdre, c'est Flore, puisque plus Flore est corps de son image. Son image est tout près des liens.
Mais Flore reprend énormément de produits. Elle a besoin d'être dans les clashs. Vous parlez de quoi? Pourquoi vous n'êtes pas objectif? Nicole a 5000 abonnés, c'est sympa. Elle n'a rien à perdre, Nicole. Rien du tout. Vous avez vu quelqu'un qui dévoile la maladie de sa mère en train de rigoler. Mais c'est pour ça qu'on dit depuis tout à l'heure, depuis que Nicole n'est pas claire dans sa tête. Il y a un problème, Ducamère. Il y a un problème quand on vient te dire que ta mère souffre du VIH. Je suis désolée, tu reviens en direct. C'est normal que ça ne lui dise rien parce qu'elle avait enlevé le VIH à sa mère. Elle a mis ça sous Ducamère. Donc, c'est normal. En 2004, le VIH n'est plus une maladie mortelle, mais chronique. Ça ne peut pas déranger Nicole. Puisque Nicole avait à soigner sa mère, elle a mis le VIH là sur le camin. Donc, tu as raison, le saumon, mais ça reste la maladie de la honte. Ça reste ça. Oui, parce que c'est lié au sexe. Oui, oui. Sa mère, elle même qui part se confier chez elle, elle connaît Flo. Elle dit qu'elle a arrêté de niaiser. Sa mère dit qu'elle a arrêté de niaiser. Comment? Waouh, la maman là, pardon, ok, du quand même. Ange. Mais Ange, donne juste ton avis, tu vas pas spéculer sur ce que nous disons. L'histoire est là, donne ton avis. On veut t'écouter, toi. On t'entend. On m'entend? Ouais. D'accord, j'ai l'impression qu'on fait une fois. Déjà, Flore n'a pas touché Flore. C'est pas la première fois. Mettre le micro, s'il te plaît. C'est le fait que ce soit la première fois qu'elle a été en qui partage ça. Ce serait parce que Nicole a dit qu'il est noir. Le fait que vous compreniez ce que quelqu'un a dit de sa compression, sinon qu'est-ce qu'on va dire sur la main de Flore que soit le fait qu'il est Flore, c'est pas pour dire que Nicole a mis Flore, a fait sortir Flore hors de son. C'est le fait qu'on va partager qu'il n'a rien de le comportement de Flore. Maman, on t'entend. La connexion est entre toi aujourd'hui. Hein. Ange, je te pose une question. Est-ce que tu penses quoi des audios de la mère de Nicole que Flore sortait? Toi, tu pleures. Comment tu. Est-ce que tu penses un peu ton. Pourquoi on est. Merci. Voilà. Dans lequel on répète la maladie de la mère de Nicole, est-ce que tu as trouvé ça juste? Ange, tu as perdu ta langue. Pardon? Quand Flore faisait jouer. Tu penses quoi des audios de la mère de Nicole que Flore faisait jouer? Les audios dans lesquels on a dévoilé la maladie, le VIH de la mère de Nicole. Ah, mais Ange, on ne t'entend pas. Hein? Oui. J'ai bien entendu cette partie-là et je pense même que j'ai. On m'entend là? Oui. On t'entend, j'ai t'entend. Entendu cette partie, je pense même que j'ai parlé chez Marc Larose là-dessus. Je me dis, le voice de Flore, moi je dis, hein, quand tu mets des voices, quand tu as plusieurs voices alignées, quand tu mets des voices, tu sais plus dans quelle voice telle personne a parlé de tel sujet. Tu sais juste que la maman se plaignait et elle a plein de voix où la maman de Nicole se plaignait sur Nicole. Mais malheureusement, le voice, pas les voix qu'elle a lancées, le voice qu'elle a fait jouer, dans ce voice-là, la maman de Nicole parlait de sa sérologie. Et si vous avez même bien vu sur ce voice-là, Flore ne s'est pas arrêtée sur la maman dit qu'elle est malade. Flore s'est arrêtée sur elle dit que ce n'est pas l'argent qui l'intéresse.
C'est le respect qui l'intéresse, c'est pas l'argent. Donc, même vous qui voyez, et c'est vrai que, comme j'ai dit à Marc Larose, ce côté, moi, m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que la maman, Amondo Vision, maintenant, a sorti sans le savoir, Amondo Vision, sans savoir qu'un jour, ça sortira Amondo Vision. Mais Divine, moi, honnêtement, Divine, moi, je ne te reconnais pas avec... t'es pas celle qui est souvent ici, hein. Ça veut dire... Ça va dans ton sens. Elle donne son avis, non? Du Cameroun. Attends. Attends, pourquoi j'ai dit ça? Je vais te dire pourquoi j'ai dit ça. Je vais te dire. Non, mais. Parce que. Attends un peu, Divine. On peut pas. Divine, attends un peu. Tu vas m'écouter et puis je vais te relancer. Discutons comme des personnes civilisées. On va pas se faire un ping-pong. Pourquoi j'ai dit ça? Tu es en train de dire que Flore ne sait pas. Elle n'a pas écouté les messages, elle les passe. Tu demandes ton avis, tu bottes en touche et tu essaies de justifier quand même qu'elle ne savait pas. Je demande ton avis à toi. Donc, si moi, je t'envoie une série de... Non, je dis ceci. Flore, en faisant sortir les audios, elle a fait écouter les... Ça a coupé. Hein. Relance. Le côté positif. Le divine, c'est souvent l'objectivité, en fait. Quand c'est noir, dit que c'est noir. Mais là, je ne la reconnais pas. Ouais, elle a raison peut-être, hein. Parce que ce n'est pas évident de gérer une série de voice. Elle a raison. J'ai pensé à ça aussi. Mais si moi, je n'ai pas fait un voice que je n'ai pas écouté, c'est parce que la personne me disait. On est d'accord. Oui, mais non, c'est possible. Fleur reçoit beaucoup de voice. Donc, ce n'est pas évident de faire jouer une série de voice tout en sélectionnant voilà. Une composante. Donc, c'est possible. Des voice. Est-ce que ce n'est pas mieux de les écouter avant pour savoir ce qui est du danger? Je vous pose une question pour répondre normalement. Quelqu'un d'un côté, lui, on peut penser comme ça. Mais Flore avait oublié ces détails. Quand tu es conseillé par un voice, la dernière fois, il y avait une histoire de voice chez toi. Tu m'as envoyé un voice. Que moi, j'ai eu confiance, j'ai envoyé à la personne. Tu comprends? Oui. Moi, parce que, qu'est-ce que c'est qu'un voice? C'est une confidence. Toi et moi, on était même encore, on était en clash. Le clash, le voice là-même pouvait me servir pour m'attaquer à toi. J'ai dit non. Pas de confidence qu'on me fait. Mais j'ai eu confiance à quelqu'un qui a envoyé, la personne qui m'a envoyé à personne, qui a finalement envoyé. C'est-à-dire que ça relève de toi d'abord, ta manière d'être. On est d'accord? Donc, si moi je vais te dire, l'étoile qui vient récemment, elle m'a envoyé une série de voice et tout ça. On a été en clash. C'est elle-même la première encore allée. Sorti sa part des voix qui lui convenaient. Mais je ne suis pas revenu écouter ses voix. Pour dire quoi que tu ne peux pas, en tant qu'un personnage public, quand même, tu vois, que tu vas répondre à quelqu'un et faire écouter les voix que toi, tu n'as pas écouté. C'est ce que j'essaie de dire. Ouais, mais en fait, je crois que si Flore pouvait repasser ses voix-là en sélectionnant le voice ou le voice incriminant la mère de Nicole, elle ne devrait pas passer. Oui, avec le recul, on aurait parfait. Que pour la prochaine fois d'écouter avant de faire passer. Parce que moi, tu sais, Nicole m'a traité. Hein. Nicole m'a traité. Je pourrais même tellement me réjouir de tout ça. Mais chacun y concerne et chacun répondra devant Dieu. Tu vois, parfois, je dis, je laisse à Dieu. Ben oui, moi, je préfère laisser. Nicole, ça m'a tellement fait du mal. Nicole, pas que sur la maladie. Hein. Nicole a inventé les termes d'histoire. Chacun répond, drap. Tu peux être en train de te venger par rapport à ce qu'on t'a fait. Et toi, tu tues ta propre conscience. Mettre Nicole en... a fait. Mais moi, elle m'a inventé un mari. Elle a Elle m'a imposé un mari. Elle a inventé un mari qu'elle a publié sur ta page. Les gens aiment trop s'agripper sur les gens. Demain, ça peut vous arriver. Dites-vous que demain, tu peux faire une confidence comme ça. Quand ça ne vous concerne pas, vous êtes comme ça sur Internet. Quand vous n'êtes pas concerné par quelque chose, parce que moi, je. Allons, dit Kamé, elle nous fait les montres, parle pour toi. Quand Nicole nous traitait sur sa page là-bas, chacun sait comment il sent ça sur lui. Toi, tu penses à toi, c'est ton ami. Et chacun, tu sais comment il sent ça sur lui. Parce que du Kamé, c'est un philosophe. Franchement, acceptez déjà qu'on n'est pas pareil. C'est très important. Je suis en train de dire qu'on n'est pas pareil. Je respecte ta position. Si j'ai envie de régler mes comptes, je montrais tout seul pour régler mes comptes avec elle. Je montrais tout seul, comme tu as souvent l'habitude de m'adresser à elle. Je ne veux pas
J'ai pas envie de profiter de ça, en fait. Rachel, la parole, s'il te plaît, excuse-moi. Oui, et moi, je suis montée par rapport aux voices, hein, la partie des voices, là, parce que je voulais dire à Bertrand ceci. Bertrand, il ne faut pas oublier que, tu sais, les grandes blogueuses comme les Flore, elles savent quelle balle mettre pour atteindre l'adversaire, tu vois. Je ne pense pas qu'une grande blogueuse comme Flore va lancer un direct sans toutefois savoir quelle voice mettre. Non, elle savait, elle avait la balle du shérif et elle a tiré. Donc, pour moi, ceux qui disent là que Flore avait plusieurs... En fait, moi, je suis neutre. Hein. Je ne prends le parti de personne. Vous connaissez comment je suis. Donc, je ne suis partisane d'aucune team. Donc, pour moi, Flore a su quelle voice jouer. Parce qu'elle n'a même pas réfléchi avant de mettre le voice. Elle n'a même pas dit que oui, quelle voice je vais mettre là et tout. Non, elle n'a pas réfléchi. En revanche, moi, je dis, on dit qui sème le vent récolte la tempête. Merci. Tout ce que Nicole est en train de récolter aujourd'hui, voilà, tout ce que Nicole est en train de récolter... Voilà. Tout ce que Nicole est en train de récolter aujourd'hui, c'est ce qu'elle a sémé. Parce qu'il faut dire, moi, comme je le dis toujours, les gens parfois font le transfert de leur vie sur leurs adversaires ou bien sur des personnes qu'ils détestent. Aujourd'hui, on est surpris de savoir que la maman de Nicole, franchement, en aucun moment, moi, je ne vais en rire parce que vraiment, aujourd'hui même, on dit oui, le sida, mais il y a pire que le sida, il y a le cancer, il y a l'hépatite. Ça, c'est pire que le sida. Aujourd'hui, de nos jours, le sida ne tue plus. Tu peux vivre avec quelqu'un qui est séropositif et tu ne sois pas contaminé. Donc, pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir honte, mais Nicole a eu une certaine aisance elle a eu une certaine aisance de donner cette maladie à Ducamère, parce que moi ça m'avait fait mal quand j'avais entendu Nicole le dire. Et si je me souviens bien, si j'ai bonne mémoire, Ducamère, ça t'a fait sortir de tes gonds. C'est là où tu as commencé à clasher Nicole. Il faut savoir, parce que avant ça, elle t'avait dit pas mal de choses. Tu interpellais le compresseur, mais quand elle a sorti cette histoire du sida, ça t'a fait sortir de tes gonds, parce que tu n'as pas supporté ce mensonge-là. On est d'accord? Donc, nous aussi, nous sommes tes personnes qui te suivent, qui t'apprécient bien, ça nous a aussi fait du mal à ta place. On était mal de te voir mal aussi, tu vois. Donc, du coup, moi, je dis qui sème le vent récolte la tempête. Tu ne peux pas s'aimer le vent et récolter autre chose. Et quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est moi, je dis, cette fille a besoin d'être soignée. C'est tout. Elle a des troubles psychologiques. Il faut qu'elle soit suivie par un psychologue ou par un psychiatre. Parce que je pense que son voyage a eu, elle, d'après elle, peut-être, elle pense qu'elle est en bonne santé. Mais quand tu regardes d'abord le regard de cette fille, elle n'est pas du tout en bonne santé. Je dis, mais pas du tout. Donc, du coup, moi, je dirais que Compressor, et si Flore est sortie de ce clash, ce sont des blogueurs, elles savent. Nous ne sommes pas vraiment dans le dernier carré, nous ne sommes pas en interne. Flore sait pourquoi elle pète autant les plombs. Elle sait pourquoi elle a pété autant les plombs. Donc, du coup, moi, je dis, peut-être ces réactions sont justifiées et des justifications. Donc, nous ne sommes pas au courant. Donc, voilà, c'était mon intervention par rapport à ça. Mais Flore connaissait quelle voice jouer pour toucher la cible. Ça, c'est sûr et certain. Vous, comme tu l'as dit, Flore lui a appliqué elle-même sa propre... Tout ce qu'elle fait aux gens-là, Flore lui a mis ça par sang. Exactement. Exactement. Elle fait aux gens, Flore n'a même pas inventé. Et Flore a été tellement méthodique. C'est-à-dire que quand la partie l'a passée, c'est là où je confuse que tu... Flore fait comme si elle n'écoutait même pas. Elle n'a même pas... C'est-à-dire qu'elle... Oui, ta mère. Il y a un bruit là, c'est où? Voilà, quand vous venez... Non, c'était moi. Désolé. Ah, ok. La reine de retour, Marfo, comment? Tu es bien encore dans mes directs. Ça va. Je suis là, non? C'est comment? Quand tu te laves, tu te pars, tu reviens. Dès que tu déranges, il faut laisser. Laisse. Je vous ai dit que
dites-vous que vous n'allez pas avoir le même avis que quelqu'un. Tout le monde n'est pas, ne pense pas pareil. Quand tu penses, quand tu as ça dans la tête, tu ne viens pas en vouloir quelqu'un pour ses idées. Ok. Dès que j'ai 5 minutes, parce que je dois aller au boulot, je fais la nuit tout à l'heure. Ouais. Donc, regarde, dès que moi, ce que je voulais dire, c'est... Ce que je voulais dire, c'est quoi? Dès que tu te rappelles quand la fille t'avait insulté, on avait parlé, tu te rappelles? Quoi, oui. Voilà. Tu étais tellement fâché. Jusqu'à tu avais interpellé Flo. Il dit que Flo, voilà, voilà ta fille qui m'insulte. Qu'est-ce que tu dis? Flo n'avait pas réagi, tu te rappelles? Okay. Voilà. Aujourd'hui, ce que tu as vécu là, c'est un peu ce que Flo est en train de vivre aujourd'hui. Je t'explique pourquoi. Moi, aujourd'hui, je suis sur TikTok. Je vois un peu tout ce qui se passe. La fille a commencé depuis longtemps à insulter d'abord Flo. Est-ce que d'abord Flo, les gens de Nkrenga, ils m'ont dit là, bon, je ne vais pas t'insulter, les gens de la TK se montaient dans son direct, ils insultaient Flo et tout. Elle était là, elle acceptait. OK. Ça a continué. Hier, yeah, sur TikTok, elle a lavé Maman Anna. J'étais dans ce direct. Quand je dis lavé, elle a bien insulté Maman Anna. Attaque-toi, Flo, laisse ta maman. Pendant que tu dis que ta mère, c'est ton Dieu sur terre, là. C'est comme ça que Flo, c'est sa mère, c'est son Dieu sur terre. Aujourd'hui, pareil. Et Compressor a partagé ce direct. J'ai vu sur la page Maléba Bébé, j'ai vu ça. J'étais choquée. Je veux comprendre que, OK, Compressor partage quand on insulte Flo. Elle a tout partagé chez Oshiga. Quand Oshiga insulte Flo, bon là, Flo, je crois que Flo a même pris ça sur elle. Elle a dit que les sons tombés, je ne veux pas faire pareil comme elle. Mais pas quand même la maman de Flo. Une maman que tu as voulu voir. Ça veut dire que Flo avait raison de ne pas présenter cette maman à Compressor. Mm-hmm. Il faut qu'on arrête un peu. Moi, je ne sais pas. Cette Nicole-là, franchement, je suis dépassée. Tu peux pas venir en bain. Le Boza, que tout le monde fait le Boza, les gens meurent dans le Boza. Je te fais grâce. Tu arrives en Europe. Cherche-toi. Tu as trouvé un monsieur qui te... Tu es chez lui, tu as un enfant. Prends soin de ton... Fais ton blog. Il y a des gens qui font des très bons blogs. Prends soin de ton enfant, de ton mari et tout et tout. Non. Tu es sur Facebook, tu insultes. Si aujourd'hui, ce n'est pas ceci qui a levé H, demain, c'est la mère, on a coupé le pied de la mère de telle et tout et tout. C'est comme ça tous les jours. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre comme ça. Ce que la fille a vu, c'est le karma. Qui aurait cru que cette fille est en train d'insulter quelqu'un a levé, alors que ça, alors qu'elle a, alors que, je ne sais pas, alors qu'il y a ce fardeau dans sa famille. Qui aurait cru? Non, mais ce n'est pas possible. Moi, j'ai un message pour cette petite. Hé, hey, Seigneur. Bengsi, elle n'a pas commencé son beng. Parce que j'ai l'impression que elle n'a pas encore commencé un beng. On dit que ça fait 6 ans, 7 ans qu'elle est en beng. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas, elle ne connaît pas ce que c'est un beng. Elle a eu la chance, elle est venue, elle est chez un homme et tout. Donc, elle n'a même pas senti ce que c'est de payer un loyer, se lever le matin, aller travailler. Elle ne connaît pas ça. Flo, bon, c'est vrai que Flo a dit qu'elle ne voulait plus être dans les clashs. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est parce qu'elle a coupé le jeu, ça allait bien. Elle est encore revenue. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé à l'interne. Je ne sais pas. Mais c'est quand même chaud, quoi. C'est chaud. Et moi, je pense aussi que si Compressor veut vraiment laver son image, bon, si elle veut qu'elle vienne répondre, nous, on est là, on va faire quoi? On va laisser mal les regarder, non? OK. Merci à la reine Mafo. Merci à toi. Et oulala, il y avait celle qui voulait parler là où c'est grâce et tout ça. Bon, après, Saumon, est-ce que tu penses, oui, tu penses qu'il va y aller dessus? Tu penses que les gens vont s'entendre? Mais avec qui, comme ça, Flan et Compressor? Ouais, tu penses que. Non, il y a rupture. Bon. Et Flan a rompu. Bon, c'est vrai qu'on dit qu'il y a rupture depuis 2 mois. Mais Flan l'a fait matériellement. Parce que déjà une photo, c'est quand même un geste sport. Hein. Regarde, il y a beaucoup de... Moi, c'est que je n'ai pas me déposé des choses de l'interne. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'interne. Ce qu'on dit, que les deux femmes-là se parlaient à l'interne. Apparemment, ce n'est pas vrai. Apparemment, non. Parce que si on regarde... Attends, je vais te poser une question. Lolo Foggia pose une question à Flore dans son émission. Avez-vous rencontré Lolo, votre copine? Le Flo a répondu, oui, il y a 2 mois. Bon, voilà. Donc, il y a 2 mois, elles ne font pas parler en interne, comme tu dis. Écoute un peu, Grâce, on t'écoute. Grâce. Elle est là, Grâce? Non?
Pardon, Francis Kameni. Madame, allô? Oui. Tu m'écoutes? Oui, on t'écoute. Est-ce que tu es dans un endroit où il n'y a pas d'enfants là? Parce qu'on écoute un peu. Ah oui, oui, oui. Attends, je vais fermer. Ne laisse pas l'enfant pour venir faire le procès. Non, non, non. Ça va, ça va. Je vais mettre même mon écouteur. Ok, du cabin. Moi, je vais donner mon point de vue. Hein. Vas-y, en 3 minutes, s'il te plaît. Il y a beaucoup de monde qui veut. Ok. Moi, je suis Nicole, Fleur de Lille, toutes ces femmes-là. Tu vois, non? Oui. Mais Nicole a exagéré. Tout le temps, même dans TikTok, elle l'a copieusement insulté Amana. Tu suis, non? C'était de trop. Est-ce que elle aussi n'est pas insultée? Oh. Elle aussi n'est pas insultée. Pardon? Est-ce que Nicole aussi n'est pas insultée? Non, oh, non, comment ça? Mais toi, tu parles. Non, ne répondez pas. Il y avait trop de dingues. Même si Nicole, elle insulte, Flo, elle n'insulte pas maman Anna. Elle insulte Flo. Mais on n'insulte pas la... Comme elle a pu l'habitude de le faire. Est-ce que la mère de Nicole aussi n'est pas insultée? Je vous pose juste la question. Non, 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 non. Bertrand. Dès qu'elle insulte quelque chose, les abeilles n'insultent pas les mères des gens. On n'insulte pas nous les mères des gens. Non. Les abeilles insultent. Non, dès qu'elle n'insulte pas la mère des gens, s'il te plaît. Du camé, moi je ne suis pas abeille. Moi je suis tout ce qui se passe, je ne suis pas abeille. Plutôt je te suis plutôt toi. Ok. Bertrand. Tu vois, non, c'est toi que je suis beaucoup, du camé. Merci. Vas-y. Oui. Développe. Non, mais il faut, parce que vous, ici là, c'est le Sénat, c'est pas un espace favorable à une team. Hein. C'est que tu dois dire la vérité, sinon on va te poser les questions. D'accord, oui. Oui. Parce que là, tu dis Nicole aussi a été insultée. Tu es d'accord avec moi, Bertrand? Par qui? Non, Nicole a été insultée par qui? Elle n'a pas été insultée. Par qui? Oh, tous. Bon, vas-y, continue. Nicole? Non, Nicole a été insultée. Il faut dire les noms. Nicole, elle a été insultée par qui? Nicole a été insultée par les abeilles. Elle a été insultée par les abeilles. Puisque c'était une guerre avec les abeilles. Les abeilles insultent son enfant. Mais les abeilles, c'est Flo de Lille. DKM. Non, je ne suis pas d'accord. À part Flo Choupinette, qui fait encore les directs chez les abeilles? Francine, continue. Je préfère que tu continues tes paroles. C'est Dieu qui. Dieu entend tout le monde. Oui, Dieu entend tout le monde. Vous comprenez, non? Nicole, elle est très impulsive. Nicole ne connaît pas n'a pas le raisin dans la bouche. Quand tu viens, tu dis ceci dans un live, tu dis. Tu vas publier ton gars. Qu'est-ce que ma folie a fait? Nous, on suit tout ça. Hein. Il faut qu'elle pas clasher aussi celle du Cameroun là. C'est entre eux. Pourquoi venir clasher ma folie? Oh, elle s'amuse, elle veut clasher son gars. Pourquoi elle parle ça? Elle a lancé tout le défi à ma folie. Quelle sorte? Il veut pour tout ça, c'est quoi? Une question. Et Bertrand, oui. Ton contrôle. Quand Paul et Lyon clashaient Lolo, est-ce que Flore et Composition n'appréciaient pas. Mais ils appréciaient. Personne n'avait levé le petit doigt. La dame qui avait de parler là, est-ce qu'elle n'appréciait pas? C'était pas leur fille. Quand Nicole. Voilà. DKM, c'est pareil quand. Attends. C'est pareil quand Fispit. Il y a une fois, Flore avait demandé. Attends. Du Camé. Du Camé, ça ne rit pas. Ma chérie, attends un peu, pardon. Je vais dire quelque chose à Ducamé. Ducamé, nous sommes dans Facebook, tout le monde est. Le monstre, les deux monstres ont été fabriqués par les deux grandes personnes qui se font la bagarre. Oui, les deux monstres ont été fabriqués par. Voilà, on ne refuse pas. Ah bon, hein? Donc vous pensez que et vous ne l'avez pas jeté? Elle n'a pas mal parce que vous l'avez jeté, toute la visibilité, l'argent que vous lui donnez. Non, Ducamé, il fallait. Attends, Ducamé. Ducamé, non, 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 c'était entre eux, les Nyama-Nyama, elle ne devait pas mettre Fleur de Lille, je te jure. Elle devait insulter, c'est entre eux, les abeilles, tout ça devait s'insulter. Mais laissez au moins Fleur de Lille jusqu'à dire que, oh, sors un peu, tu veux montrer ton gars, tu es tout le temps.
Elle est prise dans TikTok. On insultait Fleur de Lys. Elle tournait seulement la tête comme ça là. On insultait la mère de Fleur de Lys. Et puis non, n'exagérons pas. J'étais là dans TikTok. Là, je voyais. Moi, j'ai écrit dans TikTok. Elle l'a directement supprimé. Arrête ça. Arrête. Cette femme ne t'a rien fait. Ouais. Comment tu peux dire ça, Dika? Mais c'était wrong. Moi-même, j'allais rien voir sur cette. Elle a mal bouche. Bah, sur Internet, tout le monde a la mal bouche. Hein. Andrea Bilouan, t'écoute. Qui n'a pas la mal bouche? Oui, bonsoir. Mal bouche. Vous choisissez les gens qui vous arrangent pour dire qu'ils ont la mal bouche. Flo a la mal bouche. Compression mal bouche. André Bilouan, t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, j'y connais. Bonsoir, madame. Oui, en fait, c'est désolant parce que, et décevant parce que, en fait, ce qui se passe là, c'est très moche. Vraiment? Et c'est honteux même. C'est honteux dans le sens où, moi, je dis, le bloc camerounais n'évolue pas, c'est-à-dire, ça fait du surplace, quoi. Parce que moi, je trouve ça inadmissible qu'on mêle les mamans, que vous mêlez vos mamans dans vos histoires. Comprenez? Moi, je donnerais le tort aux deux camps, dans le sens où... Lesquels, il faut donner un nom. Le camp de Fleur et l'autre camp, Nicole et autres, là, quoi, voilà. Dans le sens où, je dirais, la maman de Nicole, elle est venue se confier chez Fleur. Comprenez, quel qu'en soit le problème, Fleur aurait pu gérer cette situation autrement. Malgré la pression, je peux comprendre qu'il y a la pression. Et je n'encourage pas Nicole d'insulter la maman de Fleur. Ça, c'est inadmissible. Ça, je n'accepte pas. Même si Fleur lui a fait quoi? Et d'ailleurs, moi, je ne vois même pas ce que Fleur, hein, en fait, lui a causé comme problème. Moi, je ne vois pas. Si peut-être la lionne insulte Nicole, il faut qu'elle insulte, qu'elle s'en prenne à la lionne. Qu'elle s'en prenne. Voilà. C'est un peu ça. Pourquoi s'en prendre à quelqu'un qui ne lui a rien fait? Il fait. Il lui a plutôt conseillé et lui a donné en fait des bons conseils en lui disant arrête ce que tu es en train de faire, ça ne t'avantage à rien. Moi, c'est dans ce sens. Mais je n'encourage pas une maman qui vient se confier à toi, te demandant de l'aide en disant s'il te plaît, conseille ma fille. Parle à ma fille, elle est ceci, elle est cela, que tu viennes mettre. Non. Moi, perso, je dis non. Bon, après, elle s'est défendue comme elle s'est défendue parce qu'elle en a ras-le-bol. Oui, ça, moi, je lui concède cela. Je lui concède cela, mais moi, je dis, franchement, dans votre blog, comme ça, je dis, moi, j'attribue l'auteur à ces deux. À vous, en fait, à vous, et en plus, à nous aussi, les followers, parce que quelque part, c'est nous qui encourageons ça, en fait. Parce que moi, je trouve inadmissible. Bref, moi, Nicole, c'est quelqu'un que je ne suis pas. Hein. Très honnêtement, je ne la suis pas. Je ne peux pas vous dire, je ne la suis pas, en fait. Je ne connais pas son blog, en fait. Je ne la suis pas. À peine j'ai regardé son direct 2 minutes, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que j'entends seulement qu'elle est de l'Italie, elle a fait un enfant, elle a Boza et tout. Voilà, c'est tout ce que moi je connais. Mais moi, je trouve ça dommage, une jeune fille de son âge qui se permet en fait de venir défendre deux vieilles dames, en fait. Elles ne sont pas vieilles. Des femmes qui ont fait leur vie. Pardon? Elles ont 40 ans. Ok, mais 40 ans déjà, c'est la. Du coup, mais Nicole, la 41 ans. Du moment où tu as déjà 18 ans. Là, Nicole, du, à 41 ans. Attends. Du moment déjà où tu as 18 ans, dès que tu as l'âge majeur en France,
quand tu as 19 ans, moi, je dis, tu n'es plus jeune parce que tu aspires déjà à la sagesse. Tu es déjà adulte. À 20 ans, tu es déjà, il faut déjà que tu aies des projets. Et 40 ans, pour moi, c'est vieux. Si tu as 40 ans en Europe, tu n'as rien fait, c'est vieux. Je suis désolée. Nicole, j'aurais appris qu'elle a 40 ans, mais oh, 7 ans en Europe, mais tu... Non, mais attends. Vraiment. Nicole, ressaisis-toi. Ma soeur, ressaisis-toi. Laisse ces femmes-là. Laisse-leur. Elles ont fait. Ressaisis-toi. Ça ne te profite à rien, ce clash. Tu es... Tu veux faire du sale. Tu veux faire du sale. C'est pas normal, ça. C'est quoi, ça? Oui. Bah, le récit glaçant des voices ne peut pas aller. Ce qu'on a entendu dans ces voices là ne peut même pas nous étonner, hein, de la suite des événements, parce qu'on a toujours su que Nicole était une fille assez dure de caractère. Mais le récit que sa mère fait dans ce voice là, parlant de sa fille, glace le sang. Parce que. Tu te jures. Donc, je ne vois pas ce que Nicole peut dire à qui que ce soit. Ça touche qui que ce soit, vraiment. Ouais, Nicole, elle est mal élevée. Hein. Non, elle est mal élevée. Et apparemment, la maman aussi a eu les mêmes voilà. problèmes avec sa fille. Voilà, il faut bien parler. Nicole est la défunte mère. Oui, Nicole, c'est la catastrophe. Elle est comme ça, elle était un peu bien élevée. C'est qu'elle devait avoir son petit gars qui est peut-être cadre quelque part. C'est casé dans un mariage. Je te dis. Mais elle ne peut pas, puisque la maman aussi a dit dans ce voice-là qu'elle aussi est en problème. Elle est mal. Pardon, du coup. Elle parle très mal. Hein? Et je vais vous dire un truc. Hein. J'étais au Cameroun, gars. Au Cameroun, hein, je voudrais vous dire. Nos mamans qui sont là-bas, là, la pauvreté a fait que les gens n'ont plus de sang. T'amuses un peu, même ton frère, tu entends ce que ton frère parle de toi. Le pire que la misère a fait que tu entends même t'as quelqu'un de ta famille parler de toi. J'ai cru, ben, c'est. Mais il y a les mamans qui parlent de nous comme ça. Alors que tu sais. Du Camer, suis-moi un peu. Le jour où j'ai suivi le direct de Nicole, il parlait de moi. C'est comme si je veux publier son gars. Tu me laisses jusqu'à ce point. Qu'est-ce que ma faut parler mal de cette fille. Je te jure, je suis personne là-bas. Hein. Mais si tu vois ma photo, tu vas me connaître. On se voit souvent dans les métros, même la fête de Mafou, le temps ensemble. Tu me vois un peu, non? Je ne supporte personne dans la salle. Parmi les amis, toutes les filles là. Je les aime tous. Je suis sympathisante. Mais qu'on exagère pas, qu'on exagère. Même si Lolo, ça m'énerve, je te mens pas. Elle est toujours victime. Oh non. Non, on est venu, je l'ai fait du sale. Je l'ai fait du sale, je l'ai fait du c'est quoi ça? Ouais. J'ai fait du sale. Hein? Avec qui? Le rococo là, ma soeur. On est venu en belge chercher. Le saumon. Tu connais vraiment ma faux, mais vraiment, c'est que tu ne connais pas Flo. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour donner des conseils à personne. Je dis que c'est très bien fait pour elle. Je dis que c'est à choukan bongoli. Tu as compris? Nous même là. Vraiment? Je mets mon doigt ici à la gorge comme ça, à choukan bongoli. On met le doigt à la gorge, on met le doigt dans la gorge quand on dit à choukan bongoli. Et j'espère que ma faux va encore bien. Oui, saumon à chouka. Tu as compris? J'espère qu'ils vont encore bien doser Nicole là. Cette femme-là, c'est une maudite, sérieusement. Elle insulte tout le monde. Elle fait des scénarios, c'est-à-dire que macabres, sur les enfants des gens. Oui! C'est-à-dire qu'elle a un problème avec quelqu'un. Elle prend la insulte la fille de Rose. Elle fait des scénarios. On doit même l'arrêter même à cause de ce scénario là, qu'elle fait. J'étais dégoûtée. Mais cette femme, mais moi, je veux bien voir où elle dort. C'est-à-dire que où elle dort, son environnement, c'est lequel pour avoir de telles idées aussi macabres, aussi morbides. Les du Camer, comme le TikTok qu'elle avait fait, elle a effacé là, non?
Non. C'est quand on a lavé la main de Flo là-bas, tu dis cette femme-là, je dis que oh là là. Pitié. Moi, j'ai juste la peine pour sa mère. C'est tout. Pourquoi la colère? Parce que je pense qu'il y a un vice. Oui, non, à Chouka, c'est-à-dire que si Flo même peut encore doser encore, elle nous donne un autre chaos parce que elle va péter un câble. Mais c'est-à-dire que tu l'écoutes même dans son direct, elle dit qu'elle est star. Je te jure, elle se prend la tête. Tu as combien dans ton compte? Tu es star, tu as combien dans le compte? Je te dis, je suis blogueuse. Je suis blogueuse. Ça te... Qu'est-ce que tu as le blog? Non, mais c'était qu'elle dit que Flo était jalouse. Mais tu étais dans une soirée où ce sont les abeilles qui étaient là. Flo t'a prêté une partie de sa fanbase. Donc, toutes ces personnes qui venaient auprès de toi, c'était la fanbase de Flo. Ce n'étaient pas des gens qui t'apprécient. Tu étais apprécié. Mais bien sûr, j'étais à cette soirée. Elle était appréciée par procuration. C'est normal que Flo rappelle à l'ordre ses fanas. Mais qui, tu es qui? Tu es quoi? Qu'est-ce que la Starmania te rapporte? La Starmania te rapporte quoi? Qu'est-ce que ça te rapporte? Tu as combien dans ton compte? Franchement, regarde comment tu vis. Elle n'arrive pas à avoir 10 000 abonnés. Regarde ta vie. Quand toi-même, tu es allongé dans ton lit, là, tu vas dormir dans le lit. Je te jure. Tu regardes le lit qui est en train. Elle a perdu. Est-ce que tu te dis un mari du Camer. Elle a perdu un foyer. Mais voilà son enfant qu'on a dû arracher vraiment, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Regarde tes pieds, regarde tes pieds, beau ça. Quand tu regardes tes pieds, ça ne te rappelle pas tout. C'est-à-dire que je ne sais pas, c'est une histoire, ton pied, une fille qui c'est beau ton ça. Histoire. Une fille qui bosa. Elle a bosa. Elle arrive en Europe, elle joue comme elle joue là. Je suis désolée pour Nicole. Tu mal parles de ta mère, c'est normal qu'elle se plaigne. Mais attends, tu t'occupes pas d'elle. C'est normal qu'elle parle. Là, comment parle. Sa mère parle. Elle est en dépression. Sa maman est en dépression. Oui. C'est normal que sa maman parle. Mais elle parle beaucoup comme ça. C'est une maman. Nous, toutes nos mamans, elles sont comme ça. Elles parlent beaucoup. Nous, même trop parler. C'est comme ça. On ne peut rien faire pour ça. Mais quand tu gifles même ta maman comme ça, là, que ouais, prends même 200 euros. Là, elle reste tranquille. Gifle ta maman avec les euros. Elle va se calmer. Mais attendez un peu. Nicole, Achouka Mongoli. Puisqu'elle dit que vous voulez quoi ma vie? C'est toi qui insulte les gens. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas de ses erreurs. Quand ma foi est sortie, puis que Nicole arrête ça, Nicole sort le lendemain, elle parle, elle dit que je suis une blogueuse, tu veux me faire la service. Attendez, je vous ai dit dans mon direct de ce matin que Nicole, le contrat de Sir Beauty, on a proposé le même contrat à sa patronne compresseur. On donnait, elle était métisse, on donnait 300 euros à compresseur, elle on lui donnait 250 euros. Elle a grondé la femme là que pourquoi tu me donnes, tu donnes à compresseur 300 euros, moi tu me donnes 200 euros alors que je ne suis pas aussi blogueuse. Oloko qui dit qu'elle est blogueuse. Mais moi je pense qu'elle est vraiment, elle est malade cette femme là, elle est malade. Nicole ne se prend pas pour du elle ne se prend pas. Elle a le soutien de la TKC, c'est bien. Ouais, quand même comme du canard à pitié d'elle là. C'est sûr que ça, Nicole, ça met la maudite. Oui, c'est compressant même qui amène Nicole et la lionne vers Flo. C'est vrai. Tatiana. Oui, mon père. T'es là? Je te donne un petit congo ça qui n'a rien à voir le truc. Tu as le congo ça. Tu as son congo ça. Sors le Congo, ça, mon gars. Aux États-Unis, il a dragué une américaine là-bas. Ça. Le gars sort avec l'américaine. On dit qu'il est chiche. Quand il va au restaurant, Eric, même pour bail, c'est la guerre avec l'anga. Maintenant, il voyage avec l'anga. Il ne savait même pas qu'il est une star et tout ça. Après, maintenant, quand il a su, il voyage avec l'anga. Pour go, où c'est au Grammy Award, un truc comme ça là. Lui, il prend la place. VIP. Il dit à l'anga, non. Tu prends la place économique, c'est moi la star. Donc, quand j'ai vu quelqu'un raconter tout ce qu'il a fait à l'Anga. Après, maintenant, il a fui l'Anga, il est revenu ici. Il a Belenga.
Après 5 mois, il débloque Langa. Il dit à Langa qu'il attend, il vient d'avoir un enfant. Je te jure, son j'ai pas fait me tuer. Mais l'Esther ne donne pas les dos. Ouais. Si voilà, Gala. Langala. Il a les dos. Hein. Je te jure. Alors, continue le Congo. Merci. Vous êtes en train de vous plaindre que. Oh, Flor Deli là, elle a mis les voices où la maman de Nicole dit que. Mais sa patronne, comprenez, on n'a pas dit que la meilleure femme de Messara Kacho l'a tué. C'est ça? À Kacho l'a tué. Comprenez, on n'a pas dit ça. La tête ça, c'est vraiment. J'ai pitié des femmes là. Elle veut seulement tirer ce qui sort, seulement. Vous qui soutenez Nicole là, vous lui avez dit quoi? Dans une tomba, tu as dit quoi? Tu as dit quoi, compresseur? Oh, ben là. Non, Deline, je te soutiens. Oh, aujourd'hui. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Quand ça se calme, tu reviens, tu manques. Je te soutiens. Je dis qu'on flotte dans le Rose, aujourd'hui, non, je supporte Flor Deline. Oh, je suis avec aujourd'hui. Oh. N'importe quoi. N'importe quoi, on exagère. Ça les arrange. Ça les arrange. J'ai dit que Flor, tu as fait ma journée. Hey. Maman, après c'est elle-même qui dit, est-ce que c'est Flor qui a parlé à sa place? Je sais. Maman, je sais. Est-ce que je n'ai pas sorti dans la bouche de Flo, hein. C'est la mère de Nicole elle-même qui a parlé. Dis-moi, elle aime souvent dire que... Elle aime souvent dire que j'ai les vox. J'ai les vox. En tout cas, le tout, si on a ses vox. Maman. Breaking news. Les gens m'ont dit, ma belle fait bonsoir, elle a dit quelque chose. Le fameux vox. Les gens m'ont dit, déjà constaté, pas depuis le mois d'avril, c'est le partage. Mais dis-moi. Par contre, moi, je partage ta part. Eh oui! Je me suis mis les pieds à dos à cause de ça. Mais moi, je sais pas, c'est toi qui m'appelles le tribaliste. Tu partages tous tes lives, tout. Tu as fait le besoin que tu donnes l'argent à ma mère. Mais ça m'a pas pensé ma mère. Pardon. Mais les gens m'ont appelé, on m'a dit ça. J'ai partagé tes directs. Je partage toutes les choses que tu fais. Mais est-ce que tu as même le tribaliste? Tu as fait le tribaliste, tu partais les directs de Michel Lemiadet, tu partais les directs de l'Ondo, mais tu le partages mes directs. Nicole voulait avoir les 100 000 là. Elle n'est pas contente que le compresseur ait donné l'argent à sa mère. Que tu prennes sa route, tu vois. Et que merci pour le paquet que tu as donné à ma mère. Mais ça, c'est sûr que moi, je ne vais jamais te clasher sur la toile. Mais je ne suis plus avec toi parce que j'ai compris que tu es en train de venir. Tout le monde constate ça. Même les pouces que maman lui fait, c'est les pouces pour attirer mon attention. Pauvre maman. Tu le fais avec moi. Est-ce que tu es en train de le faire avec moi? Parce que tu es encore le tribaliste, tu partages les pieds des gens. Parce que moi, je t'encourage dans tout ce que tu fais. Je me mets les gens à dos, je te soutiens sans les rien de personne. Mais je suis en train de voir. Mais je savais déjà tout ça, mais ça me dit, j'ai donc. Ça a été dit qu'il n'y a pas de souci. Merci pour le paquet que tu as donné à ma mère et bonne continuation. Et bonsoir à toi. Oui. Voilà. Si, bonsoir tout le monde. Ça peut être un autre bonsoir. Bon, je vais te dire, tu vois. C'est bon, je me demande pardon si ton nom est un peu fouté. Regarde, la honte. La honte. Du camer. Le mien donne un support, celle-là. Je te le dis avec deux témoins. T'es mal, voilà, que tu dis, elle m'a envoyé ça. Dès que tu l'as envoyé ça. Donc, je dis. Bertrand est descendu. J'ai demandé à Bertrand. Il y a une fois entre Linda et Bolet Miondo. Tu quand même, on a suivi ça. Nous sommes au courant de tout. On suit Facebook. Bien. Rose, oui.
est le Congo ça. De l'homme, on aime trop demander les choses aux gens. Inbox, c'est la chefte pour demander les choses. Donc, c'est une commandeuse. Commandeuse pro max. Eh ouais. C'est pas ça. Non, du quand même, ramène un peu Bertrand. Bertrand vient m'expliquer la partie là. Il y a eu un problème entre Linda et Delemio. Linda voulait même pleurer. Qu'est-ce qui se passe en direct? Linda voulait pleurer. Delemio aime commander. Après, juste... tu vois, elle dit que c'est le boss. C'est le boss. C'est le boss. C'est le boss. De la miande, on ne va pas faire long feu à la TKC. Parce que si elle commande beaucoup, après on ne donne plus à la patronne. L'anniversaire met la pression. Ah bon? Elle met la pression. Donc, donc elle est sans dignité. Il dit que l'anniversaire, ton anniversaire, l'anniversaire, tu demandes avec la force. Oh. Ouais, donc c'est vraiment une team qui a demandé et demandé. Hein. Force, même pas. Oh. Avec ses 1100 euros, là-bas en province. Waouh, de la Mitouba. Donc de la Mitouba, c'est une grosse demandeuse, maman. Ouais, la ronde de l'espace. Elle demande aux inbox, elle demande jusqu'à maman. Elle met la pression aux gens. Tata Pauline, Fleur ne veut pas arrêter là les clashs. Elle a répondu propre. Et le reste, non. J'ai confié à ces abeilles. Waouh! Doule Nyondo. Elle a fini avec les inbox, avec pour demander. Oh, voici mon pépalo. Oh! Ouais, Mafo, après ma journée, maman. Mafo, je suis moi zéro positif, zéro. Maman, une team de commandeurs. Je dis qu'une team de commandeurs. Dicamer, les gens disent que Mafo a mis le voice de la mère de Nicole. Ils ne voient pas comment. Nicole aussi. Lolo n'est pas aussi la mère de quelqu'un. Et Wanda. Combien de fois Mafo a averti cette fille? Combien de fois Mafo? Et Nicole, du quand même, je sais que Mafo a eu les voix là. Elle dit qu'elle avertissait. Vous ne connaissez pas le pire. Le pire, c'est Lolo. Lolo savait là où la mère de Nicole était habitée. Oui! Elle habitait quelque part, Lolo était au courant, mais Lolo n'avait pas utilisé ça contre elle. Et même, elle habitait chez l'angle de l'ami de mon frère. Est-ce que tu sais que Nicole? C'est que Nicole a dit dans un voice que Mafo a envoyé les voix à Lolo. Mafo a cumulé ça, hein? Moi, je ne savais pas. Aujourd'hui, elle a parlé de ça. Elle a parlé. En tout cas, moi, je vais profiter de ton direct pour passer un message à Linda. Linda et Wanda. Hein? Parce que quand elles viennent sur Facebook, elles sont toujours dans les histoires que les soeurs du village et les villages là. La soeur du village, que tu veux pas avoir $20 million de calo. Moi, elle te dit Linda et Wanda. Quand elle te regarde, tu peux... Mais tu vois la tête quand c'est sorti. Oh, vous voyez comment elle a mis le vol. Sa maman est là-bas. Oh, quand on est chute, sa maman personne de la tête quand c'est nos sacs pour dire que Nicole arrête. Laisse ça là, c'est parce que la TKC veut seulement le prétexte pour insulter Florence et tout. Ils ne supportent pas Nicole, laisse ça. On les connaît. C'est juste le prétexte parce qu'ils ont pour insulter Florence. C'est pas parce qu'ils veulent supporter Nicole. Mais c'est normalement qu'on peut se dire à Nicole, arrête. Il y a une fois, ma foi avait dit à celle de Cameroun là. Quand elle insultait le compresseur, elle a dit arrête! Quand c'était bien avec eux! Jusqu'à la fin des ennemis avec celle du Cameroun là! Et même dernièrement, c'est là qu'on dit que du Cameroun est revenu sur ça. Quand tu dis que la lionne attaque le compresseur, la lionne a sa munition, l'actualité de l'étoile, elle décrypte les directs. C'est différent de ce que Bunkena fait. Bunkena, ça a carrément.
radio de ta mère, je ne peux pas mentir. Je te jure de ta mère. Ma faute a supporté Flo. Même à ma place, j'avais mal. J'avais trop mal. Quand je vois celle-là aller à la fête de Flo, elle jouait mes deux. Linda et Dolem Yondo. Je ne comprenais rien. On fait quoi? Elle est en train de tirer la balle chez le saumon. Oui. Tu es revenu à côté de Jean-Pap. Je voulais te dire que ta soeur Linda là. Dit que ses amitiés des soeurs, mais il y a une soeur qui veut faire trop avec Dolem Yondo. Là, ça va du calot. Dolem Yondo, c'est d'abord une jalouse. Mais le terrain là, ils ont encerclé Linda là-bas jusqu'à. J'étais là en Caïman, j'ai eu pitié de Linda. Jusqu'à Francis propre aussi était là aussi. Oui, pour ses Français propres, oui, il était là-bas. Mon nom a chauffé là-bas jusqu'à. Elle a commencé. Dolem Yondo a commencé. Linda, qui est une petite soeur, je ne peux pas te dire ça. Et tu es venu dans ton inbox. Tu es venu. Linda, je suis sur Facebook ici là depuis des années. Moi, je ne parle pas dans les inbox des gens. Cette grosse page de Dolem Yondo, elle m'a fait parce que je n'ai jamais eu l'occasion. Voilà. Dolem Yondo est très matérialiste. Voilà, elle est très matérialiste, voilà cette femme-là. Voilà le problème qu'il y avait là-bas. Le problème, c'est que. Je parle. Parle. Moi, je veux parler. Parle. Le problème, c'est que. Le problème est très profond. Voilà. Oh, moi, j'aime pas comme. Ouais, laisse le président nous expliquer. Vas-y, vas-y. Mais quand m'envoyer un message, un genre. Lui, mon ami, le message que ma chaîne marche, je ne veux pas dire. Maintenant, moi, j'ai fait la confidence à Linda en privé. Je lui ai envoyé le message pour qu'elle garde, elle n'envoie à personne. Linda n'a pas envoyé le message ensemble qui me clash tous les jours. Là. Elle sait qu'elle ne m'entend pas dans le temps. Elle est partie envoyer le message là, ensemble. Alors qu'on ne sait pas qu'elle n'envoie pas, puisque je parle libérer Linda. On n'a pas de problème. Oui. Maintenant, les gens, maintenant, ensemble, envoyé. Et je sais que Afam a été. Afam parle du voice là depuis. Donc, c'est sûr que Afam est aussi au courant du voice. Il est au courant, oui. Donc, moi, j'ai fait confiance à Linda. Linda m'a vendu ensemble. Et même... Parce que j'aurais pu me servir de ce voice au monde. Mm-hmm. Je n'aime pas ça. Maintenant, quand ils étaient en train de parler, ils sont en train de dire à Linda qu'elle est mamie Kongosa. Que pourquoi est-ce qu'on lui a envoyé le truc et elle vient balancer. Bon, elle a dit que, elle s'est justifiée avec elle a balancé ça. C'était pour dire ensemble que tu es en train de te casser la tête avec des trains, mais pas la tête du caméra. Mm-hmm. Mais elle n'avait pas envoyé le vol parce que je voulais faire savoir le vol, j'avais fait savoir normalement. Mm-hmm. Et quand elle est mamie Congo, ça qu'elle est dans. Elle s'entend avec tout le monde. Comment est-ce qu'elle s'entend avec moi? Elle s'entend avec la femme parce qu'apparemment elle allait aux États-Unis et rencontrait la femme là-bas. Ah! Mais comment? Elle a mis l'éducamé, tu l'as mis de la femme qui s'insulte. Tu peux expliquer ça comment? Comment tu l'as mis l'éducamé, tu l'as mis d'ensemble? Et comment j'avais dit à lui? Comment elle peut même pas? Dis, mais comment tu peux aller rencontrer un faux profil? Et quand j'ai eu le problème avec elle, elle dit, comment tu parles avec moi? Et tu es encore l'ami de Orang Goula. Moi, j'avais commencé, moi, là-bas, quand j'ai eu le problème, non, parce que Orang Goula, on s'est clashé. Orang Goula, tu connais la forme de ma maison. Si elle connaît quelque chose, elle devait me sortir ça à l'époque. Mm-hmm. Et quand j'ai su que Linda s'entend avec Orang Goula, elle dit, c'est là où j'avais tenu des propos, puisque j'avais rencontré Linda, on avait dîné. Et puis après, dans la conversation que je suis en train d'entendre, il y a des détails sur lesquels je ne savais pas. Quand j'ai rencontré Linda, je ne savais pas commander. Des détails de la rencontre sont dehors. Linda me dit que ce n'est pas elle, je ne sais pas quoi. Et tout. Moi, il prend sur moi. C'est là où les gens, là, Dolem Yondo, maintenant, entre encore. Elle dit que mais tu parles quoi avec du Campingo? Tu parles quoi avec MPNIC, tout ça, tu vois? Elle a la même bouche qui m'a apprécié, que je suis quelqu'un de très intelligent. Là. C'est la même bouche là qui est en train de me massacrer. Comme d'habitude. Tu la bouche qui a dit que du camé, tu es très très intelligent. Reste dans la bouche là qui dit que ne donne pas le buzz. Comme elle a vu les 400 personnes sur sa page. Du coup, Sauf qu'elle oublie que les 400 personnes ne sont pas. Mais je pose une question. Depuis que Dolem Yondo clash là, pour la TK, elle est toujours à 1000. Elle est montée un peu à 1900 sur sa page. Elle a demandé à Saumon de ne plus me reprendre que Saumon est à un autre niveau. Il a dit que l'histoire de Saumon et moi, là, tu n'as pas le niveau d'entrée. Mais ça ne peut pas entrer. Voilà. Donc,
elle a trop de... Elle ne sait pas qu'elle a la visite parce qu'elle insulte Flore. Oui. Le jour où Flore a fait la paix avec Lolo. J'attendais ça. Pardon, attends un peu. On a en train de résoudre un problème. Il y a eu un problème. Donc, maintenant, les gens là, ah, tu l'es Linda. Et c'est okay. Là où... Bien, donc, comme elle... Mais toi, monte. Fais monter, Benjamin. Comme Dolan Miondo, elle a la bouche dans tous les problèmes, cette perroquet là. Elle vient maintenant faire comme si elle connaît trop les gens. Elle connaît tout le monde. Voilà. Eric, je l'ai fui, la femme là. Si elle celle-là. Je l'ai fui. Moi, je suis senti les gens. Hein. Elle vient dire que voilà, elle dit à Linda que Linda lui a fait quelque chose. Elle ne veut pas dire en plus. Elle va dire à Linda. Oui. Et c'est ça où j'ai vu. Linda a vraiment pleuré. Hein. Elle a dit non, Dolé, si. Ken, non, elle commence à parler en Douala. Wendemba petite sœur, ces trucs, elle manigance, c'est les gens là. Wendemba petite sœur. Linda. Linda, tu ne connais pas Facebook, si. Donc, Linda, elle a comme ça, elle a déjà rencontré. Elle doit connaître le visage de la femme. Eh oui. Maman, fais bras plus feu. Maman. Ouais. Maman. Bonsoir à Blanc Beauty. Voilà comment ils ont appelé Linda. Mais moi, je dis à Linda que tes amitiés avec tout le monde, c'est quand tu as les amitiés avec les gens qui ne s'entendent pas, tu auras des problèmes. Ah, moi, je garde l'amitié avec toi. Je ne peux pas t'entendre. À toi de voir comment tu vas faire. Mais moi, je dis que je ne rencontre plus les gens. Je ne rencontre plus les gens sur Meta. Voilà, je ne rencontre plus les gens. Je n'apporte rien aux gens. Si je ne juge pas vraiment la moralité d'une personne sur Internet. Ah, ça? Parce que quand je suis venu apprendre les trucs de que rouge. Je n'avais pas compris. Ah! Oh, c'était comme ça. Ça m'a. Je n'ai pas voulu. Nolan Miondo, c'est une femme très dangereuse. Très, très dangereuse. Elle... Voilà, là, voilà que depuis elle est sur Flore, hein, personne ne dit rien. Le jour où Flore va décider, Flore va sortir sur elle en paratonner. Tout le monde va commencer à dire que bon, Flore va seulement lui déposer un seul, lui répondre une seule fois. Depuis là, elle se masturbe sur Flore, personne ne dit rien. Tout le monde voit, personne ne dit rien. C'est maintenant elle qui est devenue le porte-parole de Compressor. C'est elle qui vient parler pour Compressor. Le jour où Flore va seulement sortir sur elle une seule fois, elle va maigrir un coup. Ah, c'est un peu ça. Francis Camillon t'écoute. Tu voulais dire un truc là. Et il y a même... Je voulais dire que... Mm-hmm. Oui, je voulais dire que... On t'écoute, maman. Le jour où j'ai vu Flo faire la paix avec Lolo. J'ai dit qu'un jour... Toi-même. Tu quand même si. Toi-même, tu n'es pas petit. Tu nous ramènes encore quoi là maintenant comme ça. On a trop d'idées. Ton ami Bertrand, ou Bertrand revient, non? Non, Bertrand, peut-être il veut lancer. Moi, je vois, je regarde un peu ce qu'elle dit là après, on se barre. Peut-être la lionne, elle m'a dit, je ne sais pas. Toi, tu es une amie, tu es quelqu'un qu'on peut considérer comme une amie. Quand tu regardes ton parcours avec tous les gens qui sont en amitié, et ce que tu leur as fait, tu trouves que tu es quelqu'un qu'on peut prendre et à qui on peut faire. Maman, toi, je vous trouve dans vos bouches. Je te dis. Moi, ce qui me. Ouais. Toi. La visibilité. Les gens qui l'ont connu hier et là, qui nous connaissent là, vous êtes en train de voir donc. C'est votre reine machiavélique là. Oui. C'est-à-dire qu'elle a lu sa caméra, elle étale des familles, elle déstabilise les familles, détruit la vie des gens.
Et dès qu'on vient lui répondre, elle sort, elle pleure, comme elle est en train de faire là. Tu prends le truc de la santé de quelqu'un, du dos. Pardon, du Kamel, moi, il part. Dis-moi, je ne sais pas comment. Avant, couche la paix. N'aime pas la le chinga. Pardon, moi, il m'envoie du Kamel. C'est avec ta chinga. Tu prends la douleur de la santé. C'est Flo qui a parlé. Quelqu'un a parlé avec sa propre couche. Donc, coupez la peau aux gens. De quelqu'un qui t'a défendu gratuitement. De quelqu'un qui t'a défendu gratuitement sur cette toile. Tu viens étaler les secrets de sa mère. À qui tu dis que tu as envoyé 100 000. Tu as envoyé alors pourquoi? La mère, là, t'a fait quoi? Parce que, ok, supposons même que Nicole t'ait fait quelque chose. Sa mère t'a fait quoi? Sa mère te doit quoi? Ou quand tu viens étaler sa maladie sur la toile, sa mère te doit quoi? Donc, quand tu exposes la maladie de la mère de quelqu'un, c'est pour que les gens fassent quoi de cette information, clairement? C'était pour que les gens fassent quoi de cette information? Moi, je pose la question maintenant aux mousses qui la suivent. Dites-moi, comment vous allez justifier que votre reine qui a le cœur pur, d'après vous? Je vais m'adresser à une amie à moi, une ex-amie. Ah, parce que la journée, c'est mémorable pour moi. Cette ex-amie qui était venue ici m'écrit que je préfère Ngoï à Compressor. Moi, étant en train de régler mes choses avec Gunnar qui m'avait attaqué dans le live de Compressor. Ma soi-disante copine vient écrit ici, je préfère Gunneux à Compressor. J'ai pété un câble. Je lui ai demandé, est-ce que c'est ça le sujet? Est-ce que le sujet, ce sont tes préférences? Est-ce que c'est ton live? Le sujet, ce n'est pas tes préférences. Tu préfères une connasse qui, moi, m'a fait du mal, qui, moi, m'insulte, une femme que tu ne connais ni d'Adam, ni Dave, que tu n'as jamais vu, qui ne fera jamais rien pour toi, contrairement à moi qui suis ton ami. Tu viens me dire que tu la préfères alors qu'elle, elle m'a agressée en live, dans le live de Compressor. Elle a tout dit parce que j'ai osé prendre son choucré de la poussière. Vous réfléchissez en fait, regardez jusqu'à quel point cette femme a de l'emprise sur les gens. Ça veut dire que ma personne, quelqu'un qui me connaît, est venue me dire dans un live où moi je suis en train de la classer parce qu'elle m'avait insulté dans le live de Compressor, si vous vous rappelez. Mais insulté, je n'ai pas pu dire un mot. Je n'ai pas pu dire un mot. Elle m'a insulté, je n'ai pas pu dire un mot. Quand j'allume ma caméra pour répondre, quelqu'un qui est censé être mon ami, qui me connaît depuis, vient me mettre en commentaire, je préfère, à Compressor. Je dis, mais là, ça a sa place. Est-ce que ce que tu racontes là a sa place? Donc maintenant, je vais te poser la question à toi, donc. Cette connaissance à moi. Elle avait écrit que oui, elle a un cœur pur. Cette phrase qu'elle vous a appris comme une récitation, ben c'est la technique des manipulateurs. Il vous répète des phrases, ça devient la vérité. Et vous aussi, vous vous baladez avec, vous répétez ça. C'est exactement comme ça que Paul fait souvent. Il vient, il vous sort une phrase dans tout un discours. Vous oubliez tout le discours, vous retenez la phrase là. Et il se balade avec partout. Les grandes réalisations, les grandes ambitions. C'est comme ça en fait. C'est comme ça que les manipulateurs fonctionne. La manipulation de masse, c'est comme ça que ça fonctionne. On vous met des slogans tout le temps, on répète la même phrase, on répète la même phrase. Ça rentre dans votre cerveau, ça devient vérité pour vous. Go, elle a le cœur pur. Quelqu'un a donc laissé son m'attaquer, il a avec une fille, une enfant devant elle. Pour venir. Si tu ne vois pas la demande, sors, tu reviens dans le live. Parce que toi-même, je ne te vois pas ici. C'est parce que le live est restreint. Je ne te vois pas ici pour t'envoyer la demande. Ah, tu ne vois pas parce que bah, je suis connectée aussi sur ton compte. Viens avec ta deuxième page. Tu m'entends? Peut-être c'est pour ça que tu ne vois pas parce que je suis en cross-postage aussi sur ta page. Donc, tu ne peux pas monter encore avec ta page dans un live où tu es déjà en live. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, viens avec ta deuxième page. Connecte-toi avec ta deuxième page. Qu'est-ce que je disais?
Je dis donc, votre cœur pue là. Parce que j'ai vu, c'est général ici, là. C'est général des mouches. Elles sont déjà là dans mon live. J'ai une question pour vous. Si vous pouvez au moins débattre avec les gens sans insulte, si c'est possible. Quelqu'un qui a le cœur pur va laisser sa vie à son enfant. Quelqu'un qui l'a défendu hier. Elle va laisser l'enfant pour aller sortir la sérologie de la maman et venir se plaindre après qu'on a partagé ou on insulte soi-disant sa mère. Pourtant, il me semble que Nicole n'a pas insulté sa mère. Pardon, dites-moi si je me trompe, parce que je n'ai pas suivi le live de Nicole. On m'a juste raconté. Mais on m'a dit que Nicole n'a pas insulté maman Anna. Que Nicole lui a juste rappelé qu'elle ne s'occupe pas de sa mère. L'insulte à quel niveau? Pourquoi la vérité fait mal comme ça? Tu t'occupes de la mère là-bas? Voilà. Tu bois le vin tous les jours, tu es dehors tous les jours. À quel moment tu t'occupes de ta mère? Moi aussi, j'ai dit ça. Tu ne t'occupes pas de ta mère, tu vas faire quoi? Toi-même, tu étais sortie ici parler de ma mère. Tu es de ta mère. Tu étais sortie ici parler, dis que oh, ma mère à l'hôpital, je ne m'occupe pas d'elle, que je suis en train de job le guide ta mère, ta mère. Hein? Alors que ma mère est à l'hôpital. Toi, tu... Non, non. Tu vas bien? Tu vois tes godasses? Tu vois tes godasses? Tu vois tes chaussures de foot? Je te montre tes chaussures de foot? Tes chaussures de foot. T'as vu? Tes chaussures de foot. T'aimes pas? C'est des Pumas. Des Pumas. T'es fatigué? Elle est où, Amy? Amy, elle est où? Et bien où? Je vais la voir vite fait. Tu veux quand tu joues? Non, non, non. Non, oui. Tu parles ou pas? Il s'appelle comment ton meilleur copain? Ah, Marwa. Il est fatigué. Il n'a pas envie de parler. Ça va, il est fatigué. Il est fatigué.
Ah, il veut regarder YouTube, c'est ça? Ah, ok, vas-y alors. Bisous, bisous. Je te laisse regarder ton truc. Bisous, je t'aime. Appelle-moi. Merci, Nono, je t'aime. Appelle-moi quand Emile est prêt. Je veux la voir. Je n'ai pas vu depuis. Bisous. Atagodas. Merci, Nono. C'est gentil. Oh là là. Incroyable. Ah, tu fais quoi là? Maintenant, tu peux faire quoi? Au ça, je crie. Elle m'appelle pour comme ça. On t'a appelé fléchette dans le live ce matin. Go, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que tu crois qu'elle peut te choisir entre toi et fléchette? Quelqu'un. Voilà ce que j'avais dit hier. Qu'est-ce que c'était les Américains? Que tu peux choisir entre qui? Entre Fléchette. Que elle disait à Nicole que s'il faut choisir entre toi et elle, comme ça, on va te choisir toi, que c'est normal, tu es son frère ou je sais pas quoi. Donc ça devait être dans ces trucs de manipulation. Bah, Nicole d'abord. Attends d'abord, je me prends la home étude. Mais j'étais la home étude. Du village là. Alors, quand je parle, il faut que tu parles. Quand tu parles à quoi? Quand même. Je pense que. Envoyez les cœurs à côté, s'il vous plaît. On non, pas envoyer les histoires. On partage. On accélère le Congo, ça, on partage. Ça veut dire qu'à l'heure, si là, celui qui va m'envoyer que le débriefing sera violent. Si c'est bon, là, on partage. À vous, à voyez les étoiles. Voilà. On partage au maximum. Partagez au maximum. D'abord. Pour les nouveaux arrivés, likez la publication, likez le live. Vous pouvez nous suivre aussi dans la reine Sarabé. Vous likez le live, vous partagez. Non, parce que ce n'est pas ça. C'est qu'il faut dire. Il faut dire là où tu es même. C'est là-bas que les invitations. C'est là-bas les invitations marchent. Quand tu fais le cosmopolitan. Je disais non. J'aimais depuis Oshiga la reine Scarabée. Voilà. Pour qu'on lise vos commentaires, venez sur Oshiga la reine Scarabée. Non, pas. Vous likez aussi Galarène Scarabée. Vous partagez sur aussi Galarène Scarabée. Vous envoyez les étoiles sur aussi Galarène Scarabée. Les autres pages sont juste un relais. Mais on ne peut pas vous lire là-bas. Donc venez sur aussi Galarène Scarabée. Je vais laisser Nando vous en parler. Bon, on va. Moi, je vais lire vos questions et vos messages. Voilà. Il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Le comportement. Beaucoup de gens disent que qu'elle a appris. Elle voulait, elle avait l'intention depuis de poser un acte sur cette photo-là. Mais Diamant ne l'a laissé aucune ouverture. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, si elle casse la photo-là maintenant, les gens vont dire que c'est mauvaise. Donc il faut que je choisisse, que je cherche quelque chose pour montrer aux gens que voilà la raison pourquoi je vais déchirer la photo là. Marco, tout le monde sait que tu as encore les séquelles de Toudi dans ta tête. Tout le monde sait que tu as les séquelles de Glota Boss dans ta tête. Tout le monde sait que tu as la soirée de Nantes dans ta tête. Parce que regarde, depuis que la fête de la baie, ça m'a commencé, qui t'a encore invité quelque part, personne. Je veux qu'on fasse quelque chose de très simple. Depuis la première sortie de Flore, c'était quand? C'était pour dire à la. Ouais, au gars de Suisse là.
Bulldog. Non, pas au gaz. Non, ok. Double sim. Ok. Et double sim en Suisse. Ouais, Jean-Paul de Suisse. Ah, Jean-Paul. Non, c'était pour dire à Jean-Paul de Suisse. Les gars, montez, partagez. Il faut qu'on soit au moins 500. Il faut qu'on soit au moins 500. Vous devez liker le live, les gars. Ça permet de booster le live. Voilà, donc, likez, écrivez, good like. Likez, écrivez, good like. Sans like, ce n'est pas normal. Donc, likez le on live. Partage, on partage, on partage. Les appels partagés, pardon. L'ancien père qui parle. Je craque. Partagez. Tu peux m'appeler Fléchette maintenant, oui. Mais pendant ces fléchettes, on suçait tes flèches-là là, sur l'écran. Maman, quand elle pensait qu'on me mettait le poisson braisé dans la bouche. Okay. Bon, on monte, on a 411, on continue, on combat. N'oubliez pas les étoiles, n'oubliez pas les étoiles. Bon, donc je continue dans ce que je suis en train de dire. Le problème de Flore, c'est qu'aujourd'hui, compresseur, on pensait être mou. Elle s'en rend compte entre elle et le compresseur, ce n'est plus le même niveau. Ta collègue maintenant, ce qu'elle va faire, je vais le prendre la photo que tu as déchirée là. Je remplace compresseur par Nicole Kidja. Parce que ton niveau maintenant, c'est Nicole Kidja. Compresseur ne va jamais te répondre. Je vais te dire pourquoi compresseur ne peut pas te répondre. Compresseur ne peut pas te répondre parce que nous, on ne tire pas sur l'ambulance. Nous, on ne tire pas sur l'ambulance. Parce qu'à l'heure où tu es là, au jour d'aujourd'hui, là, tu es zéro. Zéro. Mon nom, regarde où tu as signé avec un partenaire. Le problème aujourd'hui, Flore, ce que tu n'as pas encore compris, c'est que tu es le vrai Flore que tout le monde voit maintenant, c'est ça. Ah bon, c'est le naturel qui revient. Au galop. Toi qu'on a vu aujourd'hui, tu es vraiment ce qu'on écarte. Tu as le faire une job chez les Églisiens là-bas. Tu es sorti, tu dis qu'il n'y a pas la nourriture. On t'avait invité. Tu as le faire le job, gratter deux ou trois photos. Pour dire tu appelles que je suis allé là-bas, il n'y a même pas la nourriture. On t'avait invité. Non. Mais tu es quand même sorti. Quelqu'un est en train d'enterrer son père. Toi, ce qui t'intéresse, la nourriture. Parce que par exemple, tu montres la toile que tu es à veiller. Coucou. Salut, papa. Ça va, toi? Oui, ça va. C'est tellement joli. Ça fait... Tu manques. Oui, tu me demandes, papa. Tu faisais tes devoirs? Quoi? Tu faisais tes devoirs? J'ai pas compris. Tu faisais tes devoirs? Oui, c'est fini là. C'était quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Des maths, du français, de la géographie. C'est super. Tu vas au collège l'année prochaine? Oui, je collège Martima. Super. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau, comme tu veux au collège? Vraiment? Oui, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je sais pas. J'ai réfléchi. Donc, si tu vas réfléchir, tu me diras ce que tu veux comme cadeau. Parce que tu vas au collège, je te ferai un gros cadeau. À ton choix, ce que tu veux. D'accord. T'es fatiguée? Oui, je suis fatiguée. Je t'aime beaucoup. Calme.
Tu as des très beaux cheveux. J'aime beaucoup tes cheveux. Merci, c'est gentil. Toi aussi, ils sont beaux, tes cheveux. Par contre, les miens, je vais les couper. Quoi? Les miens, je vais les couper, mes cheveux. T'es sûr? Tu veux que je les coupe ou je les laisse? Que je les laisse. D'accord. Ton frère, il fait quoi? Quoi? Ton frère, il fait quoi? Mon petit frère? Ouais. Il est en train de regarder des vidéos. D'accord. Vas-y, je t'appelle demain. Quoi? Vas-y, passe une très bonne nuit. Je t'embrasse. Bonne nuit. Tu vas regarder un peu la télé? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Comment? T'as mis le casque pendant que tu parles. Il est pas sur mes oreilles, il est sur mon front. Il est comme ça. Ah ok. C'est quoi? C'est un film? Je sais pas pourquoi je le mets sur la tête comme ça. T'as des questions? Tu as fait quoi après? Juste une question, tu fais quoi là? Je suis chez moi, assis tranquille. T'as vu chez moi là? Elle est belle ta maison. Merci. Elle est surtout grande. Un jour tu viendras la visiter. D'accord. Elle a trois chambres. Trois chambres. On dirait un hôtel. Je te montre? Oui. Regarde. T'as vu là? T'as vu là, c'est le salon, il est tout grand. Déjà la cuisine. Ok, par contre, la cuisine est petite. Ça c'est une autre chambre. T'as vu que c'est grand, c'est dans l'hôtel. Oui, c'est grand, c'est un hôtel par contre. C'est trop marrant. Après, il y a. Regarde ça. Regarde la fille.
Ok, ma puce. Je t'aime. Le week-end, ta mère travaille, on va se voir. Ça va la danse? Oui, ça va. Enlève tout ça, tu vois. Oui, ça va. Tu es devenue une grande danseuse. Enlève tout ça, tu vois. Pas comme ça, tu vois. Et vous voyez, non, vous organisez. Tu es comme Lolo, vous êtes pareil. Un de l'autre qui dit qu'elle a une aide conforme, pas à une place avec un autre. Et l'autre qui conforme, l'ambition de ça, avec un peu de temps, tu es. Les remplisseurs de salle de la scène parisienne, on les connaît. On a vu Mbami rempli avec les 10 pompes. On a vu les gars. Je savais. Dans le travail, tu les manges le travail. La 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 qui ne savait pas que tu l'as fait, c'est l'occasion que tu as fait. C'est l'occasion que tu as fait. Je ne pensais pas que l'école pouvait voilà. Et je suis sorti de travail. Quand on parle de l'école, pas l'école n'a pas de soucis. Quand je suis sorti, elle a qui On s'est fait, s'il vous plaît pas.
Je t'avais dit, le fond de commerce des abeilles, c'est les caca. Tu as décidé de sortir dans les clashs. Tu es comme Lolo. Vous ne pouvez pas sortir dans les clashs. Votre niveau intellectuel vous condamne à sortir dans les clashs. Parlons bien, Flore. Tu peux développer un sujet? Non, tu ne peux pas. Que ce soit un sujet socio-culturel ou bien économique. Tu manges? Bon, toi, on ne peut pas dire économique, bien sûr. Tu manges? Économique, on va encore dire, tu vas développer. Moi, quand je suis engagé sur Facebook, je parle de tout, c'est 2000 personnes. Sur TikTok. On cherche des gens qui rassemblent 2000 personnes. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Conclusion, ça m'a encore fait quand j'avais posé la photo avec. Et lui, vas-y, bonne soirée. Hein. Bonne soirée à toi. Tu m'envoies un message vocal. Tu m'envoies un message. Tu veux, oui. Si toi, tu sais que tu te Bisous. Parce que tu cherchais l'opportunité à attaquer comme elle. Même quand elle n'est pas comme toi. Elle a les vraies relations dans la vraie vie. D'accord. Deux formules.